salut les gars, 21h04, une petite minute d'avance, c'est pas beau ça, j'espère que vous allez bien pour ce CTS de folie ce soir, Citizen Talk Show, Max qui met son sub, Hello Jake la régie, Max qui soutient CTS, ça fait extrêmement plaisir sur cette petite musique officielle du début maintenant, vous le savez, Mast, salut à tous, Atero, salut, j'ai vu Black RMX, Arto4, Super Panda forcément, qui j'aurais loupé, Elgorod, bonsoir Elgorod, Zelkrieg, attention bonsoir Zelkrieg, le mineur fou de ADB, ça fait plaisir de te voir, Morpheus, voilà je savais que j'avais oublié quelqu'un, il faut pas l'oublier hein, parce que vous savez c'est une masse musculaire impressionnante, Morph, salut les poulets, Stan Batros j'ai un peu envie de dire les gars, c'est la base. Riobus, Quinia, c'est écrit Quinia, oh là 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 là, Quinia qui vient faire son apparition, ça fait plaisir, Iri forcément, le grand pilote de ce stream, les gars vous êtes chaud, hein les gars vous êtes très très chaud, mais écoutez, est-ce qu'on n'est pas bien, 21h05, la régie s'enflamme, je sais pas si vous avez vu, mais la régie s'enflamme ce soir, hein voilà, ceux qui m'ont compris, je sais pas si vous avez bien vu. Trash. On va devoir discuter tous les deux. Ça fait trop longtemps que tu n'es pas vu, venu, mais il prend son meilleur Twitch Prime pour me répondre et me renvoyer dans les filets. Ce soir, pas de chat de l'espace, mais un invité de marque, on est d'accord. Monte Cristo, Bill Cobad, le modérateur qui ne connaît même pas la chaîne du CTS. Bravo à toi. Melaskia, le beau monde est au rendez-vous. Quand il y a Melaskia, c'est que tout le monde est au rendez-vous, mesdames et messieurs. Voilà, un peu de calme. Alors, comment ça va se passer ce soir Alors, première partie, les gars. Première partie, on va aller en duplex de l'Invictus via un reporter. Oulala, la N7. Est-ce que la régie pourrait quand même remercier le hot drop de la N7 sur le live accompagné de Monsieur Sage Hammer. Et voilà, Zedanexen, Bad Rocinente, voilà, ça fait plaisir. Alors, première partie les gars, on va aller en duplex de l'Invictus via notre reporter sur place, de susnommé Monte Cristo, Birgeek, attention, hello tout le monde, hello Jake88, ça fait plaisir, merci. Le petit follow de Zedanexen, faut pas que je me trompe, attention. Et ensuite, comme vous le savez, l'interview du soir, ce sera la JV Corp. Je vais y arriver, les gars. Présenté par Super Panda. Voilà, invité de marque ce soir. On a mis les petits plats dans les grands ou inversement, hein, vous savez. Reprenez-moi, les gars, si ça va pas. La régie, tu me donnes le feu vert et on part en duplex en direct de l'Invictus. Ninouf, bonsoir, beau gosse. Merci beaucoup. Ah, attention, ah ouais, on a des petits problèmes de connexion avec Monte Cristo. On a des problèmes au niveau des antennes 5G, les gars. Alors, on va un peu meubler. Tenez, regardez, un petit verre d'Aisti. J'ai même, sachez-le, les gars, j'ai une climatisation maintenant dans le studio. Voilà, regardez. On monte forcément en frappe wam. Mesdames, messieurs, bonsoir. La voix de montée. Il y a des petites erreurs. Il y a des petites erreurs, les gars. Joko001, bonsoir à tous. Merci d'être présent. Mec, Joko, si t'étais pas là, moi je lance pas, quoi. C'est clair et net, c'est comme ça. Donc on va voir si Monte Cristo arrive à capter nos ondes depuis Area 18. Alors nous, sachez-le, on est sur Arcorp. Lui, il est sur Area 18. Est-ce que les nuages, l'ouragan du soir va peut-être créer des turbulences? On attend de voir monter. Attention, Joko qui soutient le CTS avec 3 missiles. Merci beaucoup, Joko, ça fait extrêmement plaisir. Les gars, par contre, dans le chat, j'ai vu que la N7, les gars. Alors, je veux voir les abréviations de votre orga, les gars, s'il vous plaît. ADB. Est-ce qu'il y a de l'ADB? Bilko, celui-là, c'est pour toi la régie. Voilà, ça fait plaisir. On a des petits problèmes de connexion. ADB en force. Merci ADB. Merci Zelkrieg, le meilleur mineur du verse. On le sait maintenant. ADB, merci Stan, merci d'être présent. Super Panda, ce soir il y a 30 000 personnes à Arcorp. Et il y a aussi l'erreur 30 000. Ouais, voilà, Super Panda. Ah là, ça va pas du tout avec la connexion de Monte Cristo. Papy, toujours dans l'ombre. Papy66.
Papy 66, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu sur le live. On va réfléchir là-dessus, hein. Voilà, sache-le, de la CTS skin pour Monte Cristo et pour les serveurs de Star Citizen. Alors, attends, vous êtes encore en vie, l'Alpha Centauri? Ouh là là, ça clash, je vois des gens se plaindre de crash. Bon les gars, on devait faire la première partie en direct de l'Invictus, des petits problèmes techniques. Alors, toujours là, bah ouais mec. Ok, alors... On va recevoir Monte Cristo un peu plus tard dans le milieu de l'émission pour présenter l'Invictus. La régie, est-ce que tu veux qu'on reçoive directement Super Panda, l'invité du soir? Et ensuite, on switchera. Attention, attaque Sledgehammer, bras droit de l'N7 qui offre 5 abonnements. Un pour Black Dragon, un pour Beer Geek, un pour la régie. Merci beaucoup. Shaozen, les gars, El Gricho, merci beaucoup. Et notre nouveau compteur de sub ne marche pas, les gars. Alors, point d'exclamation, virez la régie, les gars. Point d'exclamation, chômage, les gars, s'il vous plaît. Voilà, sachez-le. Voilà, on est à 36 subs, on vient d'en choper 5, 6, 7. Oulala, Max qui offre 5 abonnements. Oulala, Droopsy, Upson, merci, Eric, à son abo. Attention, ça rigole pas. Elgoroth, Draxelkan, attention, Coolaps. Eh les gars, vous êtes chaud, ça fait plaisir. Merci pour l'abonnement cadeau. Voilà, parfait. Alors les gars, juste avant de recevoir Super Panda, on va s'expliquer pourquoi on a mis un compteur de sub qui ne marche pas. Oulala, Melaska, allez, Papy qui prend son abonnement, Super Panda qui prend son abonnement, Mitsuaki qui prend son abo avec Wazoo et Paléopixel. Paléopixel, montre-toi s'il te plaît, on veut tous te voir. Voilà, Stan Batros qui dépose des petits missiles comme ceci. Mais les gars, merci, vous êtes des ouf. T'as jamais vu un train de la hype monter aussi vite? Ah les gars, vous me hypez les gars, sachez-le. On veut du lourd ce soir. Ben ça commence bien. Merci beaucoup, Badrocinante. Bonsoir, Nono, Nonovic. Présente sur le live. Alors, pourquoi on a mis un compteur de sub, les gars? Pourquoi on a mis un compteur de sub qui ne marche pas? Pour tout vous dire, il aurait dû marcher. Voilà, il faut le savoir, le compteur de sub aurait dû fonctionner. On va vous faire une petite annonce. Alors, j'ai pas trouvé le symbole du multitool. Ah merde, je l'ai pas, Zelkrieg. Merci les pilotes. C'est quoi cet indic public adulte? Drew, qu'est-ce qu'il veut? Attention. Voleur de ta... De quoi? Ok. Alors, on va un peu vous expliquer, les gars. On a pris une décision avec la régie. Grosse décision. Alors, on vous force en rien à sub, à prendre de l'argent ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le cas, les gars. Bonsoir à tous, N7. Les ADB, faites du bruit. Voilà. C'est juste pour vous dire, voilà, si un jour le compteur sub affiche 1000 subs, alors on s'envoie du rêve, on s'envoie des objectifs, les gars. Si un jour on fait péter le compteur sub à plus de 1000, les gars, sachez-le, on prendra un vrai studio IRL, avec des caméras, avec tout ce qu'il faut. Donc voilà ce qu'on voulait vous annoncer, les gars. Déjà 100, ça rentre pas dans ton compteur. Ouais, mais c'est justement, faut faire péter le compteur, justement, Bilko. Alors envoie-nous les 70 restants, Bilko, s'il te plaît, dans ton portefeuille, ça fera plaisir. Mais allez, et je viendrai IRL pour les chroniques. Max, aucun problème, voilà, t'as tout compris. On aura un vrai studio, les gars. Donc voilà à quoi vont servir les subs. Voilà. MDR, les mecs ont la thune. Non, justement, on attend la thune, Ninouf, s'il te plaît. C'est à toi d'investir, Ninouf. Est-ce que tu... Ok, j'ouvre le feu. Voilà, merci Hydro, ça fait plaisir. La régie, on l'a pas beaucoup vu, hein, la régie. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, régisseur, mais là, je suis un peu déçu. Vous avez pas viré la régie, les gars? Vous avez tous un abonnement. Point d'exclamation chômage, vous virez la régie quand vous voulez. Merci Hydro pour l'abo. Greg qui vient de follow, ça fait extrêmement plaisir. C'est parfait. Alors, Valkyarf, non, pas forcément, ça discute. On doit donner de la thune? Non, Valkyarf, non, si t'as 100 balles, on prend, par contre. Mais non, je rigole. Alors, mesdames et messieurs, moi, je vois Super Panda en loge, hein, sachez-le. Et vous aussi, voilà, vous aussi. Il y a un petit timer, on sait pas, c'est pas grave. Mais voilà, on le voit rigoler, il était en train de se faire maquiller, il a les petits fours. voilà, sachez-le, il arrive dans quelques secondes. Ninouf, la régie a fait ce plan pour toi, Ninouf. Et voilà, on savait que tu allais réagir, c'est tout pour toi, Ninouf. Mais là, le trash, et attention, ici, c'est une qualité audiovisuelle élevé, les gars, dans le CTS. Bordel, tu vends du rêve. Voilà, on vend. La régie, je suis
sous tes ordres, si tu veux qu'on reçoit visuel en 720p. Et ouais, mais nous on fait plaisir à la communauté, il faut streamer bas, tu vois. Demande à Zelkrieg, il a plein d'AUEC. Ah, on va lui demander un utilisateur anonyme à 5 subs. La mangoustine qui se cache. Valkyar, regarde, t'as même pas besoin de donner de l'argent, quelqu'un l'a fait pour toi. Scorpio, Drick Fonfon, Jordan et Jones, les gars, merci beaucoup, merci beaucoup. Badrocinente, voilà. Tu sais que j'ai. Eh, hey, Badrocinente, j'ai la tasse du CTS, de la N7 en vrai, chez moi, tu vois. Mais je peux pas. 3 IP, Atero. Et pour ta déco du futur studio, vous avez les entreprises. Vous avez les entreprises, pardon, j'ai pas tout suivi. Le flouze, mon gars. Non, mais attends. Bon, stop la hype, monter, il fout quoi. Monter, il est. Monter, on sait pas, voilà. L'autre, je regardais pour Mabo, du coup, plus besoin, merci. La mangoustine. Parfait, merci la mangoustine. La Nexus Corp est là, présente sur le live. La régie, je laisse tout faire. Mesdames et messieurs, on va accueillir d'ici quelques secondes Super Panda qui va nous présenter la JV Corp. Voilà, sachez-le. Jordan dit John soutient le CTS, c'est l'abonnement gratuit. Attention, j'attends le petit. J'entends le petit son. Attention, mesdames et messieurs, le second Super Panda va apparaître sur le plateau. C'est une histoire de seconde, mesdames et messieurs. On veut voir la tasse. Allez, pour moi, je peux pas me lever. Et voilà, mesdames et messieurs, Super Panda en direct du CTS. Super Panda, comment vas-tu? Bah, salut Jake, ça va, salut le chat. Bah écoute, bienvenue. Et merci monde, pour l'invitation d'ailleurs. Bah de rien, c'est normal. Et Jay qui prend son abo, merci J57. Jay, ça faisait longtemps que t'étais pas venu toi non plus. Merci beaucoup Jay. Alors Super Panda, comment tu vas? La forme? Bah ça va très bien. Tu vois, j'ai passé l'après-midi sur Star Citizen. Bon là ça plante donc voilà, mais. Oui. T'as eu les mêmes problèmes que notre reporter. Non, ben, l'après-midi, pas de soucis, tu vois. Étrangement, c'est pas comme hier soir où c'était un peu catastrophique, mais cet après-midi, ça allait. Ok, d'accord. Qui est le plus beau gosse, Jake ou Super Panda? Ah ben ça, oh, c'est Jake. Attends, alors non, mais le truc c'est que je savais pas qu'il y avait un dress code ici. Du coup, je me suis un peu gêné de pas être en costume, tu non. vois. Attends, mais t'es chez toi, t'es à l'aise, on va pas te forcer à mettre un dress code particulier. Alors les gars, bonsoir Super Panda, hello Panda, chouchou, bonsoir Super Panda, bonsoir Jake, bonsoir la régie. Voilà, parfait. Mec, il est sans pantalon, costard à 50%, Ninouf, il faut pas le dire ça. Super Panda, avec quel vaisseau tu es venu nous rejoindre ce soir en orbite Moi c'est le freelancer dur, forever. Voilà les gars, alors ça commence très mal, vous voyez le mauvais goût de l'invité du soir, MDR le costard mais juste au-dessus de la ceinture, il n'y a que Zed qui est capable de faire de l'ombre à Jake, attention, c'est vrai qu'il avait mis le costume la dernière fois. C'est soirée 50% pyjama tous les samedis, Stan, tu pars en pyjama ce soir, la température a monté, je suis en maillot de bain, voilà, il fallait le savoir, est-ce que vous allez le voir, je sais pas, il faut vraiment que j'aille aux toilettes ou un truc comme ça pour que je passe devant la caméra, je suis déçu. Donc tu es venu en freelancer. Tout à fait, freelancer dur, meilleur vaisseau du jeu, hein, comme chacun sait, n'est-ce pas? Si, très résistant, très endurant, puissant, robuste, enfin, il a tout quoi. Équipement, expédition, enfin voilà. Ouais, mais un petit détail, c'est que anciennement, les mecs ils disaient ouais moi freelancer. Mais maintenant vous justifiez en disant freelancer dur, parce que vous savez quand même le freelancer dur. Non mais dur, alors okay. depuis le début c'est mon premier page freelancer dur. Hein. Mon premier page en 2016 c'est freelancer dur. Donc forever freelancer dur moi monsieur. Eh oui. Ok les gars. C'est mon vaisseau préféré. Je peux pas assurer que cette interview va bien se passer parce que moi je suis sous Cutlass, voilà vous le savez. Le Cutlass avec ses 4 armes taille 2 de base alors que le freelancer c'est 4 taille 3, non mais c'est n'importe quoi le Cutlass. Bon, je suis désolé. Beaucoup moins endurant que le freelancer dur, beaucoup moins robuste, un seul bouclier au lieu de deux, enfin bon c'est une catastrophe, il est super moche en plus le Cutlass, excuse-moi. Hein. Pardon? Alors, mais t'as le droit d'avoir des goûts de merde, tu as le droit. Je ne voilà. juge pas, je respecte. Dans le chat s'il vous plaît. Merci N7 Corsair. Drake, moi. Cutlass ou Freelancer, les gars, s'il vous plaît. Vous savez qu'ici, c'est Cutlass. Voilà. Et ne faites pas genre, il faut bien accueillir l'invité, on va dire Freelancer dur. Joko, Drake en force. Ça commence mal, Super Panda. Frappouam, qui nous dit. En fait, Frappouam, je vais même pas lire tes messages. Voilà. Tu as dit Freelancer. Cutlass. Prospector, Cutlass. Cutlass, ben il y a que du Cutlass, je ne vois. Ouais non, il y a un freelancer dur là. Non. Cutlass. Si. Ouais, je vois pas. Ah, il doit avoir un bug sur mon chat peut-être. Mais parce qu'en fait le freelancer, on l'a fait passer en ban
en ban direct. Quand t'écris freelancer, ça saute en fait. Quinia qui est là, Saint-Robert Space Industry. Je comprends, Quinia, frère Quinia. Freelancer, mais Misk, attention, la Mangoustine qui offre deux abonnements pour Sugo03 et Gordang. Gordang qui était là, le dernier live, c'est vrai. Alors, je voulais faire, avant de commencer l'interview, je voulais faire un petit remerciement à Ardan qui nous a mis en contact avec toi, Super Panda. Je ne sais pas si c'est quelqu'un que tu connais, tout ça. Mais en tout cas, on ne connaissait pas Ardan. Et puis il nous a dit, écoute, vas-y, on va contacter Super Panda pour qu'il passe dans ton émission. Et je voulais le remercier, tout simplement. Voilà, merci beaucoup Ardan d'avoir permis que voilà, l'émission se passe et se réalise ce soir avec Super Panda. Alors, Polaris Nexus qui fait monter ton compteur de sub manga. Merci la Nexus. Alors, on va commencer l'interview si tu le veux bien. Attends, je me suis perdu un peu dans mes fiches, ça va être plus simple. Nom, prénom, âge, raison du pseudo, Super Panda, s'il te plaît. Mon pseudo, c'est. Alors, je m'appelle Frédéric. J'ai 40 ans, donc tu vois, je suis pas tout jeune. Ouais. Et mon pseudo, donc c'est Super Panda, et il date de 1999 ou 2000, quand je faisais mes premières parties online sur Age of Empires 2 à l'époque. Donc tu vois, d'accord, ça date. Et c'était sur Goa. Alors, les plus vieux peut-être connaissent Goa, le service online de Goa, c'était le service de France Télécom, où je jouais sur Age of Empires 2 et j'avais croisé un gars qui s'appelait Super Bamboo Eucalyptus. Et du coup, j'ai trouvé le pseudo rigolo. Bamboo Eucalyptus, je me suis dit Panda, Super Panda. Voilà, c'était tout con, mais ça vient de là. Donc, c'est de l'obsolo que j'utilise depuis mes débuts sur Internet. Depuis le début, 1999. Ouais. Et c'est quoi Age of Empires, c'est le Age of Empires 2, Ouais, c'est le jeu de PC. Ouais, je faisais des petites parties online comme ça. Alors, j'étais très nul, mais je faisais des petites parties online, histoire de... Donc voilà. Ok, d'accord. Merci Miles93 qui s'abonne avec son plus beau Twitch Prime pour soutenir le CTS, ça fait extrêmement plaisir. Alors là tu nous dis Age of Empires 2, à quel jeu tu joues autre que Star Citizen? Pour un peu voilà, cerner alors, ton côté gamer. Fait. Alors je joue pas mal à Stellaris actuellement, ouais. Donc Stellaris c'est un jeu de gestion dans l'espace, on va dire, de stratégie dans l'espace. Je joue pas mal à World of Warcraft, je pense que le jeu auquel j'ai le plus joué, c'est World of Warcraft. Je joue depuis pas mal de temps et je m'y remets à chaque extension, comme beaucoup de gens. J'y joue pas tout le temps, je prends pas un abonnement qui court à vie, mais j'y joue, voilà, je reviens toujours à World of Warcraft. Je dirais que c'est peut-être le jeu sur lequel je reviens assez régulièrement. J'aime bien voilà, les jeux de gestion, les MMO. Je joue pas mal aux MMO, donc je joue à WoW, j'ai testé à peu près la majorité des gros MMO, je les ai testés quoi. Les Guild Wars 2, les Elder Scrolls Online, les Age of Conan, Warhammer Online, vraiment énormément de MMO. Et je kiffe aussi la science-fiction. Donc qui dit MMO plus science-fiction, j'en suis arrivé naturellement du coup à Star Citizen. Voilà, j'allais te poser la question, comment et pourquoi Star Citizen, mais c'est. Ouais, naturellement, ouais, j'en suis venu naturellement. Alors, je l'ai découvert un peu sur le tard, Star Citizen, hein, parce que le Kickstarter, c'est 2012. Ouais. Et moi, je m'y suis intéressé qu'en 2016. Et je me suis intéressé juste après, en fait, la présentation de la Gamescom. Je sais pas si vous vous souvenez de la présentation de la Gamescom 2016, où il y avait le freelancer, encore lui, qui se posait sur une planète. La première fois où il y avait un vaisseau qui se posait sur une planète. Il y avait un endroit où il y avait le Dragonfly aussi qui sortait, que tu prenais, que tu rentrais dans le freelancer. Ouais, et c'est cette démo, en fait, qui m'a fait acheter le jeu, en fait, voilà, en 2016. D'accord, ok. Mais c'est vrai que c'était. Une vidéo, une image marquante de voir la première fois un vaisseau qui se pose avec. Il y avait un peu de tempête aussi, je crois. Il prend un peu... Non, ça, c'était une autre démo, la tempête. C'était en 2017 ou 2018, je crois, la tempête. D'accord. Avec les vers des sables. Vers des sables, je crois que c'est l'année d'après. Ouais, voilà, c'est ça. C'était l'année d'après, les vers des sables. T'as raison. Ouais, il me semble que c'était l'année d'après ou l'année. Enfin bon, ouais, se mélange un peu. Mais bon. Ok. Alors, Ninouf qui est impressionné par le plan de la régie. On te troll beaucoup au taf avec Star Citizen, Super Panda, Beer Geek qui nous demande. Ben, en fait, faut savoir qu'au taf, il y en a certains qui ont Star Citizen aussi. Alors, ils y jouent pas, mais ils l'ont acheté. Ils ont des packages de base avec Mustang, Aurora ou Avenger. Mais ils y jouent pas forcément parce qu'ils attendent en fait qu'il y ait plus de wipe et il y ait plus de remise à zéro de ce que tu gagnes en jeu. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, farmer in-game,
ça sert à rien quoi. Donc, clairement, ils attendent en fait que le jeu soit plus avancé, qu'il y ait moins de bugs, qu'il y ait moins de. Mais je suis pas tout seul à avoir. Alors, c'est moi qui joue le plus et c'est moi qui, voilà, qui m'investis le plus. Mais vraiment, il y a pas mal de personnes qui ont Star Citizen. Alors, ils me trollent quand ils me demandent combien j'ai mis dans le jeu. Évidemment. Bah, tu vois, il y a Geoffrey Poim qui te demande. Hein. Regarde, la dernière fois que j'ai entendu parler de toi, tu étais à 1 500 € investis. De nouveaux investissements depuis ? Pas du tout, toujours 1 500. Donc j'ai une flotte qui est plutôt stable, on va dire. Et alors 1 500 € d'investi, oui, mais si je devais racheter la même flotte aujourd'hui, ça me coûterait autour de 2 500 €. Hein. Ouais, parce qu'en fait, j'ai profité d'énormément de vaisseaux, concepts, d'énormément de... Ouais. Genre l'Orion, par exemple, je l'ai eu quand il coûtait 325, il a vaut 175. Oh. Merchantman, pareil, je l'ai eu à 250, il a vaut 350 et ça va continuer d'augmenter. Enfin bon, j'ai pas mal de... Je pourrais détailler ma flotte si vous voulez, mais bon, j'ai pas mal de vaisseaux comme ça. Je vais te demander après, ouais. J'ai pas mal de vaisseaux comme ça que j'ai acheté en fait à prix... Alors, j'allais dire bas prix. Si on peut dire que 325 c'est un bas prix entre guillemets, mais voilà quoi. Ok, d'accord. C'est vrai que alors j'ai vu Ninouf qui disait on pense à Monte Cristo qui est tout seul dans les coulisses et qui est en train d'être le reporter sur place. La régie n'hésite pas à me dire quand est-ce que Monte Cristo est prêt, tout ça, il y a aucun souci. On veut pas faire non plus trop patienter Monte Cristo. Enfin, je te laisse gérer, pas de soucis. Alors, je lis un peu le chat. Un homme de goût, Sledgehammer. Même combat, roi du Excel pour les gains d'argent, bien geek. Alors, du coup, là, c'est le moment que tu nous dévoiles ta flotte, si tu le veux bien. Alors, la base de ma flotte, c'est le fameux package UE Exploration de 1948 que les gens, je pense, connaissent pas mal. Donc, dedans, il y a le Carac. Donc, le Carac, c'est pas mal parce que ça me permet d'avoir un petit rover Ursa. Donc ce sera mon rover de base, plus le C8 qui sera mon petit vaisseau si je veux aller à un endroit ou à un autre. Donc voilà, Carac, base de ce pack. Le freelancer dur, évidemment, n'est-ce pas ? Le Cyclone RN et le Dragonfly, ça c'est un peu des tokens LTI. Hein. Je compte pas garder le Cyclone RN et le Dragonfly, clairement, parce que acheter des vaisseaux terrestres pour de l'argent réel, ça sert à rien. Donc je les upgraderai quand tu auras des vaisseaux qui me plairont plus tard, quoi. Et il y avait un Terrapin aussi, c'est le cinquième et dernier vaisseau de ce package. Il y avait un Terrapin dans ce package que j'ai upgradé du coup en Orion. À l'époque, l'Orion coûtait 325. Donc ça, c'est la base de ma flotte. Ensuite, en plus de ça, j'ai deux Merchantman. Okay. J'ai aussi une troisième upgrade de Merchantman que j'ai pas appliqué quand le Merchantman coûtait que 250. Donc je pourrais l'appliquer genre sur le Cyclone RN pour avoir plus. Et alors je garderai pas trois Merchantman. Hein. J'en garderai un et les deux autres, c'est des gros tokens LTI. Et j'attends en fait que les Merchantman soient fly ready pour qu'ils augmentent encore de prix et que j'upgrade à partir de ces Merchantman en fait. Comme ça, j'aurais payé les Merchantman 250, ils coûteront peut-être 450 à leur sortie et hop, je fais une bascule sur plus gros. Eh, les gars, ce soir on a un businessman, on a vraiment le banquier. Vous sentez, il a flairé les bons coups, les gars. Voilà. Thérapine. Ensuite, attends, j'ai pas fini, oh. Ah vas-y, pardon. C'est quoi ce bordel? j'ai quasiment fini. J'ai le Gladius de parrainage aussi, le Gladius à 10, ouais, le Grey 4 de parrainage que j'ai eu à 5 je crois. Et après j'ai des upgrades genre LD que j'ai acheté l'année dernière pour au cas où le LD monte parce qu'il va monter 350 pour un vaisseau full capital, clairement c'est une anomalie. Et j'ai acheté aussi l'upgrade l'année dernière Hammerhead vers Polaris à 25$ et j'ai bien fait parce que le Polaris devient un vaisseau limité là à partir de cette vente. Donc il n'y a plus d'upgrade Polaris et il est en quantité limitée maintenant. Donc au moins je sécurise le Polaris au cas où, donc je l'ai payé que 25$ en fait l'upgrade. Ouais. Et voilà, j'ai sécurisé quelques petites upgrades comme ça histoire de vaisseaux que je pense qu'il va augmenter, tu vois. Voilà. Et voilà. Il est très technique, hein. Il est très technique. Tu sens que c'est comme s'il avait acheté une maison, hein. Il réfléchit surtout. Ça rigole pas là ce soir. Ardan, le grand Ardan. Yo, je suis en retard, je marche et sur mon téléphone j'ai 88. Ardan, on t'a fait la dédicace. Ardan, y a aucun problème. Tu verras ça en replay. Merci beaucoup de prendre ton temps et d'être présent sur le live. Question. Sinon niveau investissement sur le CAC 40, tu penses à quoi? On est d'accord, papa. Ok. Je ne revends pas les vaisseaux, c'est pour moi. Hein. Je fais pas de commerce de vaisseaux, hein. Je tiens à le préciser. Là, on a bien compris. Usage personnel. Alors là, tu es le fondateur de la JV Corp. Ouais. C'est bien ça. Est-ce que tu as déjà géré une team, une orga, une guilde, une corpo sur un autre jeu Alors. Ouais. Ouais, en deux mots, est-ce que tu as l'expérience de ça?
En fait, je jouais à EVE Online. Alors, je pense que beaucoup ici, parce que quand je vois les tags des corpos, je vois qu'il y en a qui jouent à EVE Online. Ouais. Donc, je jouais à EVE Online et j'ai été officier RH recrutement ressources humaines sur EVE Online, sur une corpo d'EVE Online. Et donc, je m'occupais de tout ce qui était effectivement recrutement, accueil des nouveaux, formation des nouveaux, ce genre de choses. Et sur EVE Online, le recrutement était un petit peu plus, on va dire, strict que sur Star Citizen. Alors, il y avait un entretien carrément de recrutement et voilà quoi. C'est... D'accord. Alors il y a Néphélia qui est la diplomate, pour t'informer si tu n'es pas au courant et même pour les viewers, Néphélia qui est la diplomate des Frogs. Il faut savoir que les Frogs ont beaucoup joué à EVE Online et donc ils te demandent tout naturellement de quel corpo tu faisais partie. Alors en fait c'était une petite corpo. Hein. Alors c'était une corpo qui s'appelait Lords of Anarchy. Et d'accord. Qui était la corpo d'apprentissage de ICE. ICE qui était une grosse alliance, enfin qui est toujours d'ailleurs, qui existe toujours, qui fait partie des Goons. Et du coup ICE était une corpo en 0-0, qui est toujours une corpo 0-0. Alors j'ai fait partie de ICE quelques temps, mais pas beaucoup, parce qu'en fait j'ai pas beaucoup aimé la vie en 0-0. Moi d'accord. J'aime bien jouer pépère, détente, et en 0-0 c'était pas forcément pour moi. Et aussi les obligations qui était né du 0-0, genre l'obligation avec Goon de participer à un certain nombre d'opérations par mois ou par semaine, je sais plus exactement, c'était il y a un moment. Ça, tu vois, l'aspect un peu strict de tout ça, voilà, moi je suis là pour me détendre, je suis pas là pour forcer les gens. Après, ça m'a plu de découvrir un peu le 0-0 et de découvrir une organisation à la Goon très très militaire, très très carré. Ouais. Parce que Goon c'est vraiment voilà, très militaire. Et même en dehors du jeu, faut savoir sur EVE Online, à l'époque en tout cas, je sais pas comment c'est maintenant, mais tu recevais des alertes sur ton PC pour te dire attention, il y a une OP à tel endroit, faut prendre tel vaisseau, faut aller défendre tel point et tout. Enfin, c'est vraiment un truc très très organisé. Goon c'est des milliers et des milliers d'accord. de joueurs, hein. C'est un truc voilà. D'accord. Et c'était très 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 carré comme ça et je suis pas dans cette optique là et donc du coup, j'ai fait partie un peu de ICE et je suis revenu dans la corpo d'apprentissage juste après pour jouer un peu plus pépère et tout ça et donc on formait les nouveaux, on était en ISEC et du coup voilà, on jouait de manière beaucoup plus pépère. Mais certains de mes plus grands moments de jeu, c'était sur EVE Online que je les ai passés. D'accord. Concrètement, je me rappelle typiquement d'un moment où j'étais tout nouveau sur EVE Online, donc je venais de farmer mon petit vaisseau et tout. Ouais. Et on s'est fait attaquer par une autre corpo qui nous a déclaré la guerre et on était une corpo de débutants. Moi aussi j'étais débutant au départ. Et donc du coup, t'as un officier qui nous dit bon, là on est en train de se faire démonter la gueule, ce qu'on va faire c'est ce soir, on va faire une petite flotte. Donc ouais. On était quoi, 6-7 avec cet officier et on a fait notre petite flotte et on a essayé de chasser les chasseurs. Et donc on a parcouru de système en système, on les chassait, on avait un éclaireur qui essayait de les repérer, on essayait de les voir et tout, on faisait demi-tour, ah non attends, on va pas les prendre par là, il faut passer par l'autre porte et tout pour essayer de les choper par là. Toute la soirée, il y avait une telle tension, parce que moi j'avais farmé mon petit vaisseau, tu vois, j'avais peur de le perdre, de faire une erreur de truc, et du coup il y avait vraiment une tension et tout. Et alors, toute la soirée, on n'a pas tiré un seul coup de feu, et pourtant, c'est vraiment une soirée dont je... mémorable pour moi, parce que t'as une tension, tu vois, t'as peur de faire une connerie, tu débutes, t'as peur de confondre ouais. les ordres, tu vois, jump et tout ça, tu sais pas, enfin tu vois, c'est très warp jump, tu voilà, t'as encore assez flou c'est vraiment une excellente soirée que j'ai passée. Ok, d'accord, ouais, le côté épique, fun, et puis ça reste dans ta mémoire, et puis ça exactement ton meilleur moment passé sur un jeu vidéo, quoi. Alors attends, il y avait d'autres questions. Donc on peut penser que JV Corp va sucer des cailloux en zone safe. Ça, mais en fait, c'est pure EVE Online, alors, ça. Non, mais en fait, le truc, c'est que alors JV Corp, la caractéristique essentielle de JV Corp, c'est une corpo démocratique, full démocratique. Donc pour l'instant, en fait, ce qu'on a décidé, c'est le nom. Parce que le nom, c'est pas moi qui l'ai décidé, hein. C'est un vote. C'est-à-dire, les gens proposaient leur nom, on disait, ah ben, il y a ça, et on a voté pour le nom. Moi, j'ai pas forcément voté pour ce nom, en plus, c'est les gens. Mais quand on est dans une corpo full démocratique, faut accepter ce vote démocratique, et même si c'est pas le choix que tu aurais fait à la base, il faut le défendre et faut le porter. Donc, on a voté pour ça. On a voté aussi pour l'orientation de la corpo, qui est pro-UE. Ouais. D'accord. Et on a voté que pour ça, en fait. On a aussi voté pour un troisième choix, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est vraiment les bases de la corpo qu'on a décidé. Et on n'a pas décidé, en fait, de la zone où on allait vivre, parce qu'il n'y a pas encore les systèmes, en fait. Ouais. Donc, en fait, on attend de voir les systèmes qu'il va y avoir à la sortie pour éventuellement aller les visiter, déjà, faire des petits events pour aller les visiter et après voter. Mais je ne peux pas vous dire ce soir, en fait, où est-ce qu'on va s'installer, parce que vu que c'est démocratique, on attend de voir que les gameplays et que les systèmes soient installés avant de pouvoir les tester, regarder un petit peu et éventuellement décider si on sera en zone safe, si on sera... Après voilà, on a juste décidé ça et on attend de voir au fur et à mesure de l'évolution du jeu.
comme on dit, la charrue avant les bœufs, vous attendez exactement. Le développement. Voilà, okay. Voilà. Exactement, on attend le développement et on regarde ce que ça donne. D'accord, ok. Une petite démocrature. Ouais, je vois que dans le chat, dès qu'on dit démocratie dans le CTS, on est mal ouais, vu. Ouais, mais alors, il y a très peu. Ouais, mais c'est vrai. Non, mais ils ont tout à fait raison parce qu'il y a très très peu de corporations full démocratiques. Alors, ICE, c'est un petit peu démocratique. Hein. Enfin, ils votaient pour. Alors, à l'époque, en tout cas, ils votaient pour le dirigeant et tout. C'était vraiment. D'accord. C'est un peu basé sur ce modèle-là. Et même pareil, tu vois. Tous les 6 mois, vote pour le dirigeant. Tout le temps, on vote pour. Enfin, on votera à terme quand tu auras les systèmes pour tout ce qui est diplomatie. D'accord. Est-ce qu'on s'allie à tel corpo? Alors, en fait, c'est pour ça que c'est une organisation très horizontale. Même moi, j'ai pas de pouvoir, en fait, puisque c'est pas moi qui décide. C'est-à-dire que c'est le vote global qui décidera. Donc, en fait, c'est très très horizontal. Il n'y a pas de diplomate au sens strict du terme, puisque les choix diplomatiques, on les fera ensemble. Donc, d'accord. C'est très très horizontal en termes d'organisation, si tu veux. Ok, Yaninouf qui nous dit on veut un visieux organigramme. Il nous l'a fait, voilà. C'est très horizontal. C'est en fait, oui. Alors, si tu veux, on a un organigramme. Enfin, il y aura une organisation parce que dans sa saison, tu peux mettre 5 rangs et tout ça. Donc, rang 5 fondateur, enfin, rang 5 boss, entre guillemets, mais si le boss. Après, tu as responsable de section et tout ça. Mais c'est plus honorifique que des véritables. T'as pas de véritable pouvoir en plus. Moi, j'ai une voix. Enfin, j'aurai une voix comme toute autre personne qui a une voix, quoi. J'ai pas 10 000 voix et une autre personne a une voix. C'est d'accord. Vraiment. Et c'est ça qu'il faut accepter. Et c'est ça qui est difficile dans les corpos démocratiques. Surtout pour ceux qui fondent les corpos démocratiques. C'est que des fois, en fait, quand tu fondes une corpo, t'as envie que tes choix à toi se reflètent dans la corpo. Et dans les corpos démocratiques, ben, dans les corpos full démocratiques, il faut pas que ce soit ça. Il faut que ce soit les choix communs qui soit appliqué et pas le choix des fondateurs en fait. D'accord. Et c'est une des raisons principales pour laquelle il y a si peu de corpos full démocratiques, parce que quand tu fondes une corpo, évidemment, tu as envie de mettre de tes tripes dedans et tu as envie t'as que pas ce soit tes choix qui soient ouais, ta patte. Ok, on est d'accord. Ryobus qui nous dit ce sera classé peut-être suivant le vaisseau que tu auras, non? Non, il n'y a pas de, de condition de possession de vaisseau, il n'y a pas de condition d'âge aussi, il n'y a aucune condition particulière, c'est IRL first, il n'y a aucune obligation. C'est vraiment, en fait, c'est pas une corpo qui est très très stricte dans son fonctionnement, c'est vraiment une corpo, tu viens, tu joues, tu t'amuses, point. C'est juste ça. Et d'ailleurs, il faut savoir que le Discord qu'on a, il est ouvert à tous. C'est le Discord, c'est pas forcément le Discord que de la corpo, c'est vraiment le Discord sur lequel on va pointer les nouveaux sur jeuxvideo.com pour leur dire vous pouvez aller là pour apprendre à jouer et tout ça. Mais c'est pas on joue avec des gens de toute corpo, hein, vraiment. Il n'y a pas de distinction de corpo, c'est vraiment très très ouvert en termes de fonctionnement. Ce Discord, en tout cas, c'est très très okay. Ouvert à tous. Oui, donc du coup, tu disais Discord, etc. Les gars, dans le chat, point d'exclamation, info, et vous avez toutes les infos de JV Corp. Voilà, n'hésitez pas à spammer la commande. Pourquoi JV Corp au lieu d'une autre? IRL First, je trouve cela cool comme Orga, c'est un concept qui me parle bien. Ces cas changent par rapport à d'habitude. Ok, moi je voulais savoir, ouais, voilà, finalement, pourquoi avoir fondé une orga? Est-ce que les viewers du site internet te l'ont demandé? Est-ce que ça a été une demande? Est-ce que ça a été ton choix? Alors, ouais, je t'écoute. En fait, en 2016, du coup, je discutais pas mal avec les gens sur les forums, sur le forum Star Citizen. D'accord. Je leur ai demandé conseil pour le package à prendre, le vaisseau à choisir, tout ça. C'est eux qui m'ont d'ailleurs conseillé ce package-là et tout ça. Le package que j'avais pris à l'époque, que j'avais melté après, mais bon. Et du coup, on échangeait pas mal. Et du coup, on disait, c'est con, il faudrait qu'on joue ensemble et tout ça. Et donc, de fil en aiguille, on en est venu à créer une corpo et on se dit qu'est-ce qu'on fait, comment on crée. On pourrait créer une corpo full démocratique, essayer de choisir pour tout. Et donc, on s'est mis à créer cette corpo. Et voilà, tout simplement, c'est venu très naturellement, en fait. C'est pas forcément moi qui ai décidé, quoi. C'est vraiment, comme pour tout, c'est vraiment un concours de circonstances et le fait qu'on discutait pas mal sur les forums. Ok. En tout cas, ils sont très accueillants avec les nouveaux sur le Discord de la JV Corp. À mon avis, ça te fera plaisir. ça me parle comme la corpo DBA. Merde, j'ai plus le nom. Bah, merci Birgik de revenir avec des informations plus précises la prochaine fois. J'ai vu aussi Zélef qui arrive dans le chat. Zélef, il est 21h38. Est-ce que c'est une heure pour arriver?
Zelef, est-ce qu'on en parle? Voilà. Les gars, des missiles dans le chat pour Zelef, parce que là, ça va pas du tout. Missiles, missiles, les gars, merci. Quand est-ce que tu as créé JV Corp? Bah 2016, tu vois, pas très longtemps après m'être mis au jeu en août 2016. Donc tu vois, je l'ai créé juste après en fait. D'accord. Donc c'était très... Enfin, je l'ai créé, on l'a créé. C'est pas moi encore une fois. Moi j'ai juste... je suis juste fondateur si tu veux, mais concrètement j'ai décidé de pas grand chose en fait. Donc voilà. Ok, d'accord. Trash qui nous dit je réserve mes missiles pour quelqu'un d'autre. Tu as bien raison. Zelef qui nous dit oui, directeur de corpo, bien quand il veut. Ah, bah attention. Bravo Zelef. Zelef qui se fait envoyer tous les missiles dans le chat, ça fait plaisir les gars. Alors, là on dérive un peu les gars à cause de Zelef. Hein. Combien de membres vous avez? Alors aujourd'hui, entre 120 et 125, quelque chose comme ça, 125 je crois. D'accord. Exactement, voilà. Ok. Et est-ce que vous avez un objectif d'avoir une grosse orga? Est-ce que tu t'es mis un compteur, un plafond, quelque chose comme ça? Non, il n'y a pas forcément d'objectif chiffré ou de... Non, non. En fait, l'ambition de la corpo, c'est pas, encore une fois, c'est pas une corporation qui est destinée à avoir une organisation ultra militarisée, ouais. Un objectif précis et tout. On n'est pas là pour jouer serious business. Si vous cherchez une organisation très carrée, très serious business pour conquérir, pour aller vivre dans tel système, c'est pas du tout ça qui va vous convenir. Hein. Nous, on veut juste, prendre plaisir à jouer, faire nos petites missions, faire des petites soirées spéciales. Typiquement, je sais pas, moi à terme, on pourra imaginer, on prend un petit carac, on va visiter un petit système. Une autre soirée, on prend un petit Orion, on le défend avec un Nautilus et on va miner, faire une petite soirée minage. Un autre jour, on prend un petit Hulk, okay. On prend un petit Hammerhead et on fait nos petits transports. On prend quelques Starfarer, on va. Voilà, tranquillou, il n'y a pas de. C'est vraiment pas. Pas forcément une orga faite pour ceux qui veulent un truc. Très très d'accord. Cadré et très carré quoi. Ok. Alors on échange en fait. D'accord, ok. Alors je vois Gustave dans le chat qui vient, Gustave PSG. Alors Gustave, déjà je lis ton pseudo, il y a marqué PSG, j'avoue qu'il faut de la CTS skin les gars, ça me fait saigner des yeux. Comment on fait la régie qui valide le PSG. Ok les gars, ok. Comment on fait quand notre perso est invisible? Merci les gars de bien lui avoir répondu. Voilà, on refait son caractère, on refait son personnage. Je sais, tentative de blague loupée. J'ai pas tout lu. Soirée spéciale ou soirée spéciale? Minage avec le Nautilus, bonne vanne. Mais qu'est-ce que vous racontez, les gars? Tu n'as pas non, Nautilus. Que... Alors, je reviens sur le Nautilus. J'ai dit Orion, tu prends l'Orion pour miner et tu le défends avec un Nautilus. Tu inondes la zone autour de l'Orion, peut-être, ça va être une stratégie valable, de mine pour défendre le Nautilus qui est en train de miner au milieu, par exemple. Je sais pas ce que ça va donner le Nautilus. Moi, je suis très curieux de voir ce que va donner le Nautilus avec ses mines, en fait. Alors, ce sera pas du tout un bon vaisseau de défense pour les Hulls qui vont se déplacer. Pour l'Orion, je pense que ça pourra faire l'affaire pour défendre un point précis, pour défendre un trou de verre, genre de truc. Peut-être qu'on verra ce que ça donne, mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner le Nautilus, moi, perso. D'accord, ok. Tu n'as pas peur? Alors c'est Riobus. Alors déjà Riobus il dit aller l'OM. Donc ça fait plaisir à Riobus. Merci. La régie s'il te plaît un peu de respect pour le live. Tu n'as pas peur que tu viennes de jeux vidéo? D'ailleurs ça ne nuise pas ou au contraire upgrade la décision de manière plus positive et ainsi ne pas avoir une opinion plus optimale. Riobus, j'ai pas tout compris. Alors en fait je joue. Alors je sais pas si j'ai compris ou pas la question, mais moi non plus. En fait quand je joue, je ne joue pas pour jeuxvideo.com, je joue pour moi. Là, je suis pas en train de travailler. Je suis pas payé, je suis pas. Voilà, je joue sur mon temps personnel et pour moi, pour mon plaisir perso. Je joue pas parce que je bosse pour JV.com, si tu veux. Et après, c'est vrai que l'image de jeuxvideo.com, telle qu'elle est, elle est faite par énormément de joueurs, c'est ah ouais, mais sur jeuxvideo.com, c'est que des gamins, ah ouais, c'est que des trolls et tout. Elle est très très fausse. Généralement, les gens qui ont cette image-là ne viennent pas sur les forums, ne viennent pas sur le forum Star Citizen et ne voient pas les discussions qui s'y passent, ouais. Et viennent pas sur le Discord et du coup ils connaissent pas. Mais je peux vous assurer que c'est pas du tout l'image qu'on s'en fait. En vrai, c'est pas ça du tout. Déjà, la majorité des gens qui sont sur jeuxvideo.com sont majeurs. La majorité des gens avec qui je joue sont des pères de famille, sont des gens qui bossent, qui ont un boulot. Et c'est pas du tout Kevin 12 ans. Après, il y a des jeunes aussi, et on les accepte tout à fait. Et il y a certains gars, et c'est pas parce qu'ils sont jeunes et qu'ils sont ados, qu'ils sont totalement teubés et qu'ils ont zéro neurone et qu'ils comprennent pas les choses. Hein. Il y a des ados qui sont très bien et qui participent aux missions et tout. Il y a pas de souci, on n'a pas de limite d'âge et ça se passe très bien. Donc voilà, c'est un mélange en fait de personnes de différents horizons.
D'accord, ok. Alors, il y a Eric qui nous dit vous censurez de ouf sur JVC Star Citizen. Alors moi, je t'avoue, j'y vais pas alors, des masses. En fait, sur le JVC Star Citizen, comment on fait pour modérer? Il y a des modérateurs bénévoles qui sont là pour modérer les forums. D'accord. En tant que salarié, nous on modère que ce qui est illégal ou hors charte. Ce qui est hors charte, c'est uniquement les insultes. Si vous D'accord. insultez des gens, vous allez vous faire modérer. Si vous critiquez, genre vous dites « Ah, vous aimez pas le jeu et tout », vous allez pas vous faire bannir. Hein. Sauf qu'il faut pas que le message devienne insultant. C'est la D'accord. limite entre l'insulte et la critique. Voilà, c'est juste petite okay. limite. Après, les ouais. modérateurs, s'ils le veulent, peuvent supprimer les messages et peuvent tout à fait supprimer des messages en plus que ce que les admins sanctionnent. Et donc ça, c'est tout à fait possible qu'ils suppriment les messages. Ils sont bénévoles, ils gèrent leur forum comme ils le souhaitent. Voilà. D'accord, ok. Alors attends, je lis un peu le chat. Ouais, ça troll sur les articles, mais c'est sur le forum. Mais sur le forum, c'est clim. Eric qui balance et après, des pseudos et tout. Alors le troll. Alors il y a aussi une question qui est extrêmement importante là-dessus. Le troll. Qu'est-ce qu'un troll? C'est ça la définition du troll. Si un troll, c'est juste quelqu'un qui critique. Si c'est une critique, les gens ont le droit de critiquer. Et moi, je trouve ça important aussi de ne pas rester enfermé dans une bulle. Et aussi de prendre en compte les avis un peu divergents du sien. Et voilà, tu regardes un avis, ben t'es pas d'accord avec lui, tant pis, tu laisses couler. C'est pas la peine de réagir aux trolls, c'est pas la peine de réagir aux avis contre lesquels tu es pas d'accord. Tu laisses couler, voilà, tout calmement. Tu vois un avis qui t'énerve, tu laisses couler. Et tu prends du temps pour répondre aux questions. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je prends du temps pour répondre aux questions des gens qui posent des questions sur quel paquet choisir, sur comment il faut faire pour miner. Voilà, c'est ces questions-là moi qui m'intéressent. C'est pas une question de quelqu'un qui va dire ah ben j'aime pas le jeu. Bon, ok, t'aimes pas le jeu. Tu joues pas et puis voilà quoi. Qu'est-ce que je te dise. Ça n'a aucun intérêt de redéfendre le jeu. Et s'il aime pas le jeu, il a le droit de pas aimer le jeu. Tu vois, il y a pas de. Ah mais c'est compréhensible. Voilà, bah les gars, justement, si vous voulez aller sur le forum point d'exclamation info, il y a le lien du forum dans la commande. Néphélia qui nous dit a-t-il fallu demander des autorisations pour créer la corporation? Notamment avec le département communication, dans la mesure où cela peut impacter l'image de JVC. La corporation, c'est pas la corporation de jeuxvideo.com, c'est la corporation du forum et des joueurs qui étaient sur le forum de jeuxvideo.com. Donc en fait, c'est pas jeuxvideo.com qui a créé la corpo. Hein. C'est pas du tout une corpo qui est portée par jeuxvideo.com, ou pas du tout. C'est D'accord. une corpo de joueurs qui se sont rassemblés au départ sur le forum de jeuxvideo.com. Voilà, c'est tout. Okay. Comme ils auraient okay. pu se rassembler ailleurs, hein, comme ils auraient pu se rassembler sur Discord, sur autre chose, voilà. Là, on est passé sur Discord pour tout ce qui est vocal, mais au départ, on était sur le forum, c'est tout. C'est la seule. C'est pas okay. la corpo officielle, si tu veux, même si. Ah, mais au moins, c'est. Au moins, c'est clair. C'est une corpo de joueurs, c'est une corpo de joueurs. Ok. Alors, Papa Boys qui nous fait info, parfait, merci beaucoup. Est-ce que vous recrutez sans cesse, actuellement même, ou est-ce qu'il y a des périodes de recrutement selon les mises à jour, ou je sais pas Non, on accepte tout le monde. Alors moi, le truc, c'est que je fais très peu de promotions, en D'accord. fait. Là, ce soir, c'est un peu exceptionnel, parce que j'en parle quasiment jamais. Tu vois, cet après-midi, par exemple, je jouais à Star Citizen, il y avait 3 ou 4 nouveaux là sur le Discord, et du coup, je leur montrais avec d'autres comment on joue, comment on vole, les contrôles, les commandes, tout ouais. ça, blablabla. Et j'ai même pas parlé de la corpo une seule fois, tu vois. Parce que, j'aime pas... Je suis très. J'aime pas mettre en avant la corpo et j'aime pas. Je pense que les gens qui veulent rejoindre, ils vont faire des recherches et tout, mais j'aime pas leur pousser. Ah, mais t'es au fait, je t'ai formé, mais regarde, je fais partie de cette corpo et il faudrait la rejoindre, tu vois. J'aime pas faire ça. Et donc, j'en parle quasiment jamais, en fait. Tu vois. C'est, okay. c'est peut-être un tort, hein, c'est certainement un tort, parce que du coup, on aurait pu être bien plus. Mais oui, voilà, j'en parle pas, je suis très. En fait, vu qu'on n'a pas forcément d'ambition de nombre et tout, il n'y a pas forcément d'intérêt d'en parler. Tu vois. Ok. Cooper Junior, Cooper JR, pardon, N7, hein, Cooper, hein, bibi pour rapport. Alors, juste. Ouais, pardon. Juste un truc, là, je vois une question. Si tu veux pas mettre en avant la corpo, dans quel but tu es venu ce soir? Parce que Jack m'a invité. Voilà, je suis venu parce qu'il m'a invité. C'est pas moi qui ai. C'est tout, hein. C'est pas moi qui ai voulu venir. C'est pas moi qui ai poussé. C'est. Voilà, c'est tout. Et moi, quand on me dit qu'il faut parler de Star Citizen, je viens. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Non, mais merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait extrêmement plaisir de t'avoir. Et puis, voilà, tout naturellement, tu aimes Star Citizen, tu passes dans le live, il n'y a aucun problème. Et on est content de voir de nouvelles corpos. Ninouf, je suis d'accord aussi. Encore merci, tonton. Ok, d'accord. On a tout lu. D'accord. Alors,
Je voulais savoir un peu la vision de ton orga, si elle était plus PVP ou PVE, parce que tu nous disais sur Eve Online que tu étais plus en zéro, c'est ça? C'est ça que tu disais? Alors, en fait, sur Eve Online, t'as le ISEC, c'est la zone un peu sécurisée, qui est avec plein de forces de police, et donc tu peux pas forcément beaucoup te faire attaquer par d'autres joueurs. Et t'as la zone 0-0 qui est full PVP, et là tu peux te faire attaquer. Voilà. Sur Star Citizen, c'est pas forcément le même système que sur Eve Online. Hein. Déjà, Star Citizen, c'est pas un jeu à conquête, c'est un jeu qui est orienté PVE par nature, en fait, Star Citizen, beaucoup plus que Eve Online, qui est un peu orienté PVP. Et après, pour te dire, est-ce qu'on va s'installer dans une zone pirate ou dans une zone sécurisée ou dans une zone, je ne sais pas, ça va dépendre à terme, et du coup il y a plein de questions en fait comme ça où je ne sais pas moi-même en fait qu'est-ce qu'on va faire à terme, parce que c'est pas moi qui vais décider ça, on va attendre de voir un petit peu les différents systèmes qu'il y a à terme, et on va attendre de voir les résultats des votes, et on va agir en fonction des résultats des votes. Et aujourd'hui on a voté du coup pour le nom de la corpo, pour le logo de la corpo, pour l'orientation pro-UE, qui sera pro-UE. Pourquoi on a voté pour ça, pour l'orientation? Parce que c'est, je pense que c'est un élément fondateur, et que c'est un élément qu'il faut voter très tôt. Pourquoi il faut le voter très tôt? Parce qu'il y a des joueurs qui sont vraiment pirates dans l'âme, et du coup je pense que c'était leur mentir que de dire « attention, vous pourrez faire tout et n'importe quoi dans notre corpo si on n'avait pas voté avant, tu vois ». Donc je pense qu'il faut vraiment… Ça, c'était un élément, un point important à trancher. Donc les membres ont eu le choix entre plusieurs orientations. Il y avait même l'orientation neutre. Alors l'orientation neutre, je ne la comprends pas trop, moi, perso. Mais bon, ça, je sais qu'il y a certaines corpos qui veulent être neutres. Mais à terme, vu qu'on n'a pas encore le système de réputation tel qu'il va fonctionner exactement, est-ce que la réputation de la corpo va être une moyenne de la réputation des membres? Si c'est le cas, les réputations neutres… il n'y en aura pas forcément, parce que si beaucoup de membres sont pirates, la corpo va avoir une réputation moyenne pirate, et du coup c'est plus une corpo neutre. Tu vois, il y a plein de questions comme ça qui… Donc du coup, nous voilà, pro UE, ça veut dire pas d'action pirate, on n'attaque pas les autres. Là on peut, puisque c'est du wipe, il y a des wipes et tout, donc voilà. Mais à terme, en tout cas, pas d'action pirate, et on respecte les lois de l'UE, et l'UE et la grande mère, et Dieu, okay. Dieu sur terre, quoi. Voilà. Ok, c'est… ok. Alors, Zenef qui nous dit, Jake, dis-moi la régie, test de nouvelles choses, son, image, coulisses. Ouais, la régie, là, elle est en plein taf, là. Y a pas tout qui marche à tout moment, les gars. Hein. Vous l'avez pas viré, la régie? Point d'exclamation chômage, s'il vous plaît. Voilà, on voit la régie. La régie, c'est le confinement qui t'a fait les cheveux longs, comme ça, là, pour passer un peu chez le coiffeur, la régie. Je vois qu'il a toujours des questions, on rentre dedans. Non, nous, on rentre dans personne, Zelkrieg. Attention à ce que tu dis. C'est ça, Jack. Aou, Intensity. Un petit accueil de la N7, peut-être. Tu vois, Cooper, il y a même pas d'Aou, Aou. Moi, je te dis Cooper, en plus, t'es à beau, pour l'exclamation chômage. C'est quoi une action pirate, Néphélia? Toute action qui est contre les règles de l'UE. Donc, attaquer un joueur qui t'a pas attaqué, faire des missions pour des corpos pirates, pour les Ninetales, pour ce genre de trucs. C'est ça, les actions pirates. Vous êtes viré. Ok. Alors voilà, ça y est, la régie est virée. Merci beaucoup, Melaska. Les gars, ce soir, vous n'êtes pas très réactifs, hein, parce que j'ai demandé à ce que la régie se fasse virer. Vous l'avez pas fait. Bon, ok, vous voulez donner une belle image de la régie, y a pas de problème. Voilà. Aucun problème, les gars. Alors, est-ce que vous avez créé, parce que tu nous dis, c'est une orga full démocratique, est-ce que vous avez créé un background de l'orga? Une sorte d'histoire pour embellir un peu. Ouais, il y a une histoire, du coup, sur la page officielle, il y a une histoire, mais c'est plus du placeholder, tu vois. Donc il y a une date de création, un genre de truc, mais c'est plus du placeholder pour l'instant. C'est pas forcément un truc sur lequel on a voté, donc c'est pas forcément un truc définitif, quoi. C'est pas tout ce qui n'est pas voté. Vraiment, les choix essentiels qu'on a fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, et on a aussi voté pour un truc important, c'est pour l'opération Pitchfork, puisqu'on participera à l'opération Pitchfork que tout le monde connaît. D'accord. Dans le chat. Okay. Mais et d'ailleurs, ce qui était marrant, c'est qu'on a discuté à l'époque du coup avec les membres, et que les membres étaient pas forcément intéressés pour participer en première ligne, ils étaient beaucoup plus intéressés pour faire du support, du ravitaillement, des choses comme ça, quoi, de la défense de convoi, et pas forcément pour la première ligne. Donc à l'origine, en tout cas, c'est plus sur ce côté-là de l'opération Pitchfork qu'on s'impliquera à terme, quoi. D'accord. Quoi, okay. Support. Allô, c'est bon, on m'entend bien. Zelef qui nous dit, je ne vire pas quelqu'un qui aime le constructeur Origin. Ok, Zelef, ok. Mais la N7, il faut un petit hot drop de N7.
Et la régie vous boycotte. Voilà, N7 se fait boycotter en direct par la régie. Voilà, il se rattrape. Bon, montez le fait dodo. Bah écoute, un utilisateur anonyme a offert un abonnement de niveau 1 à Zelef. Merci beaucoup, l'utilisateur anonyme. Avec ton compteur sub qui marche toujours pas. Ça sera pour la prochaine, les gars. Chaque chose en son temps. Insérez ici émote de dodo. Hein, c'est pas mal, c'est pas mal. 10 ans après, ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise, trash. On perd les bonnes vieilles habitudes avec la régie. Maintenant, la régie, ouais, il fait ça. Ouais, c'est pas faux. La régie, il fait sa star. Hein. Maintenant, il est dans son plateau. Est-ce qu'on a des nouvelles de Monte Cristo? Voilà, on le voit dans le chat. Je sais pas. Voilà, Monte. La régie t'a envoyé des MP sur Discord. Alors, regarde. Tout à l'heure. Ok. Alors. Question qui va intéresser beaucoup de monde, je pense. Est-ce que dans l'orga JV Corp, le RP a une place importante, a une place primordiale ou a une place très faible? Parce qu'en fait, on est une corpo très ouverte aux débutants. Et donc par nature, une corpo très ouverte aux débutants, c'est difficile de faire du RP pour une bonne et simple raison, c'est qu'il faut les former. Et pour les former, c'est beaucoup plus simple en les formant de manière, on va dire, avec des mots de la vie réelle et pas en jouant un personnage. Mais non, on n'est pas vraiment une corpo RP du tout. Même, hein. On parle de tout et de rien, c'est pas, okay. pas trop le trip. Et toi-même, en tant que joueur hors Star Citizen, je fais quasi jamais de RP, donc c'est pas un truc que je pratique. Après, ce serait intéressant d'essayer. Je serais intéressé d'essayer pour voir un petit peu comment ça peut. Ouais, ça m'intéresse d'essayer. Après, j'ai jamais fait, donc ça, je connais pas ce domaine-là. Ok. Riobus qui nous dit, mais ça va y venir le RP. Sledge ne dit pas bien. Elle est en pyjama, la régie aussi. Ah, la régie, c'est même pire. Elle n'a pas de pyjama, la régie. Go faire un live avec Panda, Sledgehammer. Alors, tu trouves pas que quand même. Alors, je sais pas, tu nous dis que t'es pas intéressé par le RP. Mais l'immersion. J'ai jamais essayé en fait, donc. Ouais. Pourquoi pas, même pas avec le vocal de Star Citizen qui est quand même, quand il fonctionne, est assez. Oui, mais oui, évidemment, on fait des petits. Ouais, 5 minutes, tu vois. Ouais. J'appelle pas ça faire du RP, tu vois. Enfin, RP pour moi, c'est un peu plus profond. Ouais, c'est vraiment, faut créer un personnage, faut vraiment le jouer sur plusieurs heures, rentrer dedans. C'est pas juste appuyer sur la touche plus et puis parler 2 minutes. Oui, ça j'ai fait. D'accord. Si c'est juste ça le RP, oui, j'en ai fait, mais pour moi c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus profond que ça quand même. Ok. La régie à poil, non Max, on va rester cool. Max qui nous dit, même pas de jeu de rôle papier? Alors, j'ai participé à mon premier jeu de rôle sur le Discord Star Citizen, justement, où ouais. Un joueur nous a proposé une petite session de jeu de rôle, c'était sur Toulouse, je crois. D'ailleurs, ou sur un autre truc plus simple, enfin bon, bref. Et on a passé une soirée comme ça à jouer un jeu de rôle et c'était plutôt pas mal, plutôt très sympa. Donc voilà, c'était ma seule expérience en fait de jeu de rôle. Donc tu vois, jeu de rôle, jeu vidéo, oui, j'y joue beaucoup. J'ai joué à Baldur's Gate, j'ai joué à plein de jeux historiques, on va dire, du jeu de rôle. Et je jouerai certainement peut-être à The Witcher 3 et compagnie, ça j'ai joué. Peut-être à Cyberpunk à la fin de l'année, voilà, jeu de rôle, j'aime bien ça. Mais en papier, version papier et version. Non, ça j'en ai fait qu'une fois. Ok. Chulu, c'est un pseudo qui revient pour la deuxième fois, alors je m'excuse. C'est un jeu de rôle, hein. Alors, ouais, mais alors, il y a un pseudo, alors. Okay. Cthulhu, c'est le jeu. Voilà. Ah, ok. Alors, c'est ce qui nous dit, je ne pense pas qu'il y ait de bon ou de mauvais RP. Si je devais résumer ma vie RP avec vous ici ce soir, je dirais que c'est avant tout des rencontres. Ok. Petite référence. Le truc hardcore du cul pour consommer. Quoi? Mac, j'ai pas suivi. En fait, Cthulhu, c'est hardcore pour commencer. Ah, pardon. Ah, mais moi, j'ai l'écran, il est très loin. J'ai des problèmes de lunettes. C'est pas Cthulhu, mais c'est un truc dans l'univers de Cthulhu, mais pour les débutants. Je sais plus, ça a un nom, mais je me rappelle plus du nom. D'accord. Melaska qui est en train de me perdre. Birgi qui nous dit, en définitif, le but de JV Corp, c'est de jouer sans se prendre la tête. C'est beau, j'approuve. C'est bien ça. Voilà, c'est ça. Et dans une organisation démocratique où les membres choisissent tout. C'est okay. On peut résumer ça comme ça, tout à fait. S'il veut faire du JDR, moi je l'embarque pour mes sessions. Bah écoute, on va lui proposer. Alors, je voulais savoir si ton orga avait des sortes de réseaux, de streams, de YouTube. Est-ce qu'elle a une sorte de vitrine? En fait, comme je disais tout à l'heure, non, pas du tout. Voilà, quand je disais tout à l'heure, en fait, nous on est sur Discord, il y a la page sur Robaspace Industries et c'est tout. En fait, je fais pas la promo
Et on n'a pas d'ambition, en fait. C'est ça qui est difficile à faire comprendre aux gens, c'est que on n'a pas de Facebook, on n'a pas de Twitter, on n'a rien, quoi, parce que pas besoin. Enfin, tu vois, à la rigueur, pourquoi ? C'est-à-dire, on se focalise sur le jeu et on passe pas de temps en dehors du jeu. Donc, on a notre Discord, on discute sur notre Discord avec toutes les corpos et tous les gens qui veulent jouer, ceux qui sont sans corpos, on joue avec. C'est tout, quoi. Il n'y a pas de velléité de recruter à tout prix, il n'y a pas de velléité de créer 10 milliards de comptes sur Twitter, sur Facebook et compagnie pour faire la promo. Il n'y a pas ce genre de velléité en fait. D'accord, ok. Vous avez un très bon concept, tout le monde ne comprend pas, mais sur un MMO, c'est bien de ne pas se prendre la tête et de jouer avec envie, avec qui on veut. Zelkrieg, oui, on partage ton idée. Trash qui nous dit « J'aime bien les orgas à la bonne franquette. Vous voulez vivre votre vie tranquille in-game au sein de l'UE. C'est une vision un peu limitée. » Ah oui, répondez. « Mais en ce moment, tu dirais que tu pourrais réunir combien de personnes pour une session de jeu sur Star Citizen ?» Voilà, si demain tu dis « Voilà, les gars, demain soir, on joue. » Combien il y a de gars de ton orga qui sont disponibles et présents là, en fait, le truc, c'est que je peux pas dire si le gars est de mon orga ou pas de mon orga. Puisque c'est sur le Discord et il y a tout le monde en fait. Et je regarde pas si. Ah, lui, il est de mon orga, alors il a le droit de jouer. Ah, lui, il est pas de mon orga, alors il a pas le droit de jouer. Donc la question, on se la pose même pas en fait. Toutes les questions que vous vous posez là, nous, on se les pose même pas. Et du coup, récemment, on a quoi, une douzaine de personnes quoi pour jouer, voilà. Mais si c'est pas, et ça suffit quoi, tu vois. Enfin, il y a des soirs où il y a des, on a une partie tous les samedis soirs à 21h. Bon là, ce soir, c'est planté. Mais bon, bref, voilà. C'est à cause c'est de planté nous. En termes de. Non, c'est planté en termes de serveur. Bon, bref. Ah ok. Mais non, pas du tout. Ben, après, ils jouent sans moi. Hein. Ils peuvent. Ouais. Les gens jouent, voilà. Et des fois, il y a 3 personnes, des fois, il y a 10 personnes, mais c'est pas grave quoi. Enfin, tu vois, là, cet après-midi, on jouait. Là, je jouais, je formais 3 ou 4 nouveaux. On était 6 ou 7 sur le. Je sais plus comment il était sur le Discord. Voilà, j'ai formé les nouveaux. Je leur ai montré comment contrôler les vaisseaux. On est parti voir l'exposition. Je leur ai montré le site Aircool aussi. Aircool, j'aime beaucoup le site. Bon, pareil, ils me demandaient qu'est-ce qu'on choisit entre le roi et les Mustangs. Bon, bref, voilà, les questions habituelles des nouveaux. Quoi. Et voilà, la Mobi Glass, les options de la Mobi Glass, les différentes options en bas. Voilà quoi. Mais c'est... En fait, il y a pas de, on fait pas de concours. J'ai la plus grosse, j'ai le plus de membres, je peux rassembler tel nombre de personnes. C'est des questions qu'on se pose même pas en fait. Enfin, tu vois, c'est. Ok. Alors, je vois la régie qui est en train de préparer peut-être Monte Cristo, la régie du mois, hein, si tu. Parce que là, on arrive pile poil à l'heure du quiz. Donc, si tu veux qu'on fasse le quiz plus tard et qu'on passe Monte Cristo d'ici quelques secondes, et puis on pourra aussi commenter en direct avec Superpanda. La régie, je t'entends plus par contre. La régie, je t'entends plus. Tu t'étais muté tout à l'heure. Bonsoir à tous. Molkin ADB, salut. Ouais, la régie. Ok, d'accord. Alors, Super Panda, est-ce que ça te dérange dans le sens où, en première partie, on n'a pas pu voir l'Invictus en duplex? Est-ce que ça te dérange de faire une petite retransmission via notre reporter sur place? Vous êtes. Ah, mais priorité au direct. Priorité au direct. Priorité à l'envoyé spécial. Alors, j'ai vu des bonnes questions dans le chat. On les reposera après. Hein. J'ai vu la N7 qui sont chauds. J'ai vu Nefelia aussi. On va passer sur le direct du duplex. Monte Cristo, m'entends-tu? On va voir si on a une réponse. Alors, attention. D'ici quelques secondes. Ah, la régie? Alors, deux petites secondes. Vous avez viré la régie, là, il y a quelques secondes, Morph. Morph, c'est parfait. Tu as anticipé la régie ce soir. Ça fait plaisir. Attention, il y a la goutte au front. Passez-lui un petit torchon. Là. Il va pas bien. Il a chaud. Donc, ouais, Super Panda, n'hésite pas à commenter. Hein, toi qui as pu avoir le temps et l'honneur de zigzaguer entre les erreurs 30 000. Moi, je t'avoue, j'ai pas pu. J'ai pas pu. Donc, MDR, mode BFM on, Ninouf, on est d'accord. La régie, je te laisse passer en duplex de l'Invictus. Ah, la régie. Attends. On peaufine. La N7 demande si la JV Corp participe à des events intercorpo. Monté, est-ce que tu nous entends? Oui, tout à fait, je vous entends.
Ok, eh ben écoute, on est bon pour recevoir Monte Cristo en direct des studios. Nous, sachez-le, on est juste en orbite, placé tranquillement sur Arcorp. Monte Cristo, voilà, en direct de la convention Invictus. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu l'effervescence et un peu nous expliquer un peu le thème de cette convention? Oui, alors bonsoir à tous, bonsoir le Verse. Oh là, je me fais pousser, oh, bah, bravo. Alors, eh bien, en direct du centre de convention Bellic. On n'a plus d'audio, Monte Cristo, on n'a plus d'audio de ta part. Quelques petits problèmes techniques, là, la 5G a du mal à passer. Voilà, on te réentend, on te réentend. Ah, très bien. Donc, me voilà en direct du centre de convention Bellic, donc sur Area 18. Donc, vraiment une bonne soirée en perspective, quoi. C'est toute une semaine, parce que je ne sais pas si tout le monde s'est renseigné, mais du coup, l'Invictus Launch Week, qui a commencé hier et durera jusqu'à la semaine prochaine, eh bien, ça veut dire vraiment, tu vois, ça vient du latin invaincu. Et du coup, c'est vraiment, on sent la volonté de la Navy de nous montrer leur force, l'envie de recruter vraiment du monde dans leur rang. D'accord. Alors, je sais pas si vous savez un petit peu l'origine d'ailleurs de l'Invictus. Est-ce que cela vous intéresse? Ah bah écoute, nous on t'a envoyé en tant que reporter spécial pour avoir tous les détails croustillants, les dernières informations. Donc nous sommes tout ouïe. Oui, bon, ben en fait, si en dehors du centre de convention, d'ailleurs, il y a une multitude de plaques qui montrent et qui, on va dire, expliquent toute l'histoire, mais en fait, l'Invictus, ça remonte à 2542. Donc, c'est une célébration désormais annuelle de la Navy pour récompenser à la fois les nouveaux militaires entrant dans les rangs et ceux démarrant leur formation. Mais tout cela n'a pas été le cas en mai, parce que, en fait, comme je disais, ça remonte à 2542. Lors de la guerre Tevarin, et en fait, pendant cette guerre, c'était vraiment le premier conflit interstellaire, et il a fallu recruter. Et du coup, ils ont mis en place cette campagne, et du coup, il fallait envoyer des recrues sur la base créée sur Mars, en fait. Sur Mars, il y avait une base qui s'appelait Invictus, et pour justement pour démontrer la volonté d'être invaincu. D'accord, ok. Alors, on voit que Monte Cristo est très beau ce soir. On va te laisser peut-être monter ces fameux escaliers pour commencer à découvrir un peu le hall d'entrée en direct du CTS. Voilà, clairement, ils ont tout donné. C'est vraiment une très belle convention. Super Panda, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah en fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas forcément la meilleure journée pour aller les visiter. Parce que, bon, les constructeurs qu'il y a aujourd'hui et les vaisseaux qu'il y a aujourd'hui, c'est Origin, RSI, c'est pas non plus. Voilà. Tout qu'Origin n'a pas forcément énormément de vaisseaux militaires. Pareil pour RSI. Donc aujourd'hui, ouais, la journée n'est pas non plus la folie. Je pense que les gens sont surtout intéressés par la journée à Aegis, qui a énormément de vaisseaux militaires, Anvil, qui a pas mal de vaisseaux militaires, et il y avait beaucoup de personnes aussi qui sont intéressées par le F8, n'est-ce pas? Le F8 qu'on peut voir d'ailleurs sur en orbite à Bégini Point, notamment à côté du Javelin, de l'Idris et ouais, tout ça. Ouais, ouais. Donc le F8, moi aussi je l'attends, hein, évidemment, hein, ça a l'air d'être un super vaisseau. On est d'accord là-dessus. Bon, pour l'instant, je crois qu'on ne pourra pas l'acheter. J'avais vu des trucs comme quoi on ne pourrait pas l'acheter pendant cette vente anniversaire, ce qui est un peu dommage, mais bon, on verra. Mais de toute façon, on pourra l'acheter un jour, ça c'est clair. Hein. Il ne va pas être réservé au concierge de 10 000 dollars, ça c'est clair qu'on va pouvoir l'acheter. Ouais. Quand, je ne sais pas, mais on va pouvoir l'acheter. Petite anecdote d'ailleurs, dans l'Arena Commander, si vous allez à l'Arena Commander, vous faites Select Ship, il y a le F8 dans la liste. D'accord. Et on peut jouer avec. Non, tu peux pas jouer. Juste le voir, tu cliques dessus, t'essaies de faire Ren Ship, ça marche pas. D'accord. Et il a 0 UEC en plus, c'est marrant. Et du coup, tout le monde a essayé, évidemment, nous sur Discord, tout le monde a essayé, n'est-ce pas? Ouais. Mais non. Et c'est marrant qu'il soit présent en Arena Commander, en fait. Tu te dis, F8, c'est pour faire baver. Donc, mais je pense qu'on va. On va pouvoir l'acheter un jour, c'est sûr. Les gens qui disent non, il va rester réservé au concierge. Mais non. Écoute, on va pouvoir l'acheter, c'est évident. On verra. Alors attends, le live avant tout, mesdames et messieurs. On va repasser sur Monte Cristo en duplex de l'Invictus. Monte Cristo, est-ce que tu nous entends? Oui, toujours. Je suis toujours là.
Et effectivement, on a vu le F8, je l'ai montré juste auparavant. Alors, en fait, le F8, comme a dit Super Panda, c'est un véhicule qui sera certainement disponible un petit peu plus tard, mais il faudra certainement finir d'abord la campagne de guerre, et ensuite on aura certainement le droit de débloquer on va dire, la version civile du F8, car nous avons deux versions. Et D'accord. celle qui nous est montrée actuellement, c'est l'escadrille 999, que l'on peut voir d'ailleurs avec la balle diorama. Alors oui, est-ce que tu peux On nous voit les expliquer F8. voilà, cette histoire d'escadrille 999? Est-ce que tu as pu avoir des infos sur place à ce sujet-là? Oui, alors en fait, l'escadrille, bon, c'est un petit peu la crème de la crème. D'accord, même dans. On parlait de l'escadrille 42, ou aussi connu sous le nom de. On va dire Squadron 42, mais celle-là, c'est le Test Squadron. C'est l'escadrille de Test 999. Donc, elle, c'était vraiment, en fait, une escadrille hors pair. Et elle a été invitée, cette dernière, à participer à l'Invictus Launch Week pour faire un pont avec le public et les civils. Car auparavant, l'Invictus Launch Week était vraiment utilisé également comme par les messères. Les messères l'utilisaient D'accord. pour vraiment une propagande. C'était pro-militaire, c'était xénophobique. Alors, à un moment donné, quand les messères ont été renversés, et ça, c'était en 2792. Cet événement a été célébré aujourd'hui, le 22 mai, sous le nom de le jour d'émancipation. Et OK. du coup, l'Invictus Launch Week a été du coup lancé entre le jour d'émancipation, c'est-à-dire la chute de l'ère Messère, et en fait la fin, l'armistice de la guerre Tévérine. Et ils ont déplacé l'Invictus du mois d'octobre au mois de mai. Ok, Et eux, ouais, vas-y, l'escadrille en vas-y. fait 999, elle a été lancée. Eux, ils ont été invités par le haut commandement militaire qui voulait conserver en fait l'utilité de l'Invictus Launch Week pour recruter, mais se dissocier des valeurs de l'ère Messère. Et du coup, ils ont été invités pour vraiment que le public s'enivre de cette classe. Et vraiment, c'était des. Voilà, c'est vraiment la crème de la crème. Ouais, on peut dire vraiment que l'escadrille, le Squadron 999, c'est vraiment l'élite ultime, vraiment les pilotes, les testeurs d'une qualité vraiment supérieure, hein. C'est bien ça, Monte Cristo, si je dois résumer ce que tu viens de nous présenter, Absolument. Et du coup, justement, hein. les enfants, je veux dire les ados, mais aussi les adultes qui veulent vraiment un petit peu, rejoindre les rangs de la Navy. Grâce à ça, c'est vraiment un spectacle, et c'est enivrant de voir ces magnifiques vaisseaux. Ils sont absolument superbes. Ouais, alors là on voit clairement voilà des statues qui représenteraient peut-être une sorte de propagande, si je peux dire des mots assez forts, peut-être voilà une communication pour recruter des personnes dans l'UE, dans la Navy peut-être, c'est bien ça, Monte-Cristo? Oui, alors là c'est un diorama et qui justement nous montre qu'il est temps de, on va dire, de franchir le pas. Time to step up. True strength is never letting others fall. En fait, le message c'est vraiment on est en bas, on se fait tirer par le haut, par nos compagnons, par la Navy. On n'est pas seul et on peut se faire aider. Et du coup, on tire les gens vers le haut au plus vraiment de pousser les autres. D'accord, bah écoute, c'est de très belles images, de très beaux propos pour illustrer ces statues. Si tu le veux bien, Monte Cristo, les gars, alors voilà, les personnes qui sont dans le chat, n'hésitez pas à rejoindre notre reporter Monte Cristo sur place. Vous pouvez aussi être recruté directement par l'UE, voilà, pour rejoindre les forces de la Navy. Alors pour l'instant, il n'y a pas full, sachez-le. Salut Paléo. Monte Cristo, on va te laisser directement aller rejoindre la convention en elle-même. Et nous, on va repasser sur les studios, la régie, si tu le veux bien, en attendant que Monte Cristo aille vraiment dans le hangar, dans la convention
elle-même. Super Panda, je voulais savoir, alors, voilà. Ouais. Non, j'ai juste un truc, parce que là, il y a un truc qui m'a fait bondir, ce commentaire Ah. Christo a dit. Pour lui, l'Hermès sœur, ce n'est que du négatif, les valeurs de l'Hermès sœur, tout ça, voilà. Mais en fait, l'Hermès sœur, il faut savoir qu'elle a permis quand même d'accroître le territoire de l'humanité. Et donc, je pense que l'Hermès sœur n'a pas que du mauvais. Et il faut aussi rétablir la vérité sur l'Hermès sœur, qui a permis aussi une certaine expansion. Et du coup, bon. On pense Alors. qu'on veut des valeurs, effectivement, mais voilà. Voilà, c'est, là, il y a eu un avis émis d'un journaliste comme quoi c'était que du négatif. Hein, mais voilà, je tenais quand même à rétablir cette vérité sur l'Hermès sœur, qui n'est pas si négatif que ça à propos de l'extension du territoire. Ok, non mais c'est très bien de mettre le point là-dessus. Et puis l'UE n'a jamais rien fait de mal, faut bien le dire. Donc l'UE ça, est parfaite. Attention, Est parfaite, et voilà, et du coup, voilà. Alors là, il y a débat ce soir, attention. Est-ce qu'on n'aurait pas recruté un futur chroniqueur pour les chroniques du CTS, mesdames et messieurs? Il va rendre le CTS meilleur que BFM. Alors on est pas mal là, il est pas mauvais Super Panda en tant que chroniqueur. Hein Max, on l'invitera, on le réinvitera pour faire un débat. Sur l'UE, c'est vrai que c'est très 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 intéressant, face to face sur l'histoire de l'UE. Ouais, j'avoue que, bah écoute, on a trouvé un nouveau sujet pour nos chroniques. Voilà, un de ces jours on le fera. Alors je voulais savoir si Monte Cristo avait réussi voilà, à être présent dans le hangar. Je vois qu'il est là. Monte, est-ce que tu nous entends? On t'écoute, tu es toujours de nouveau sur le live en duplex, Monte. Tout à fait, donc là, comme on l'a mentionné juste avant, on a du RSI, comme on peut le voir derrière moi, c'est vraiment origine, RSI, donc il y a chaque jour, jusqu'à la semaine prochaine, différentes marques qui vont montrer vraiment les différents vaisseaux qui seront disponibles gratuitement à la location pendant 24 heures. Donc pour les tester, il faut être rapide. Mais vous avez différentes solutions. Alors, si j'ai bien pris mes bonnes notes et si j'ai bien fait mon travail de journaliste, dans ce hangar ce soir, il y a l'Origine 325A, l'Aurora LN, le Constellation Andromeda Aquila Phoenix et le RSI Mantis. Si je dis pas de bêtises, Monte Cristo, ce sont tous voilà, des chips déjà disponibles en concession. Hein. Absolument. Alors, il y a une partie du hall qui va être réservée en fait à des véhicules qui sont déjà disponibles. Il y a une version aussi du hall, une partie du hall qui est des hologrammes des véhicules en cours de développement. Donc alors, ça c'est quelque chose que nous allons vous voir. Voilà, on est tous très curieux. Moi je suis très curieux de voir voilà les chips en développement, en cours de construction. Donc si tu veux bien nous montrer les hologrammes. Donc on est d'accord, ce sont tous des vaisseaux RSI ce soir, hein, même les vaisseaux qu'on peut voir en hologramme. Hein. Monte Cristo. Alors on a le Constellation Taurus. D'accord. Et nous avons le RSI, donc là, ici, le Polaris. D'accord. Bah écoute, si la régie veut bien basculer sur une image vraiment globale du Polaris pour le plaisir de tous. Voilà, c'est. Est-ce que tu t'es renseigné sur place, voilà, pour avoir des informations, savoir quel type de mission pourrait remplir ce vaisseau? Alors. Non, j'ai pas été trop dans le détail sur ce vaisseau en lui-même, mais bon, c'est vraiment du type militaire, c'est une corvette. Ici, vous pouvez voir d'ailleurs à côté de tous les vaisseaux, il y a des panneaux explicatifs. Donc du coup, on peut vraiment expliquer un petit peu, un petit peu l'histoire, comme on peut voir. Donc c'est vraiment des beaux hologrammes. Mais j'ai pas été me renseigner jusqu'à toute l'utilisation de ça, c'est pas ma spécialité, je dois l'avouer. Ah mais écoute, aucun problème. Est-ce que tu as des petites pépites à nous faire encore découvrir dans le hangar ou globalement tu as fait le tour? Alors, en fait, sur le principe, nous avons déjà plus ou moins fait le tour. On va dire que les vaisseaux actuellement, comme disait Super Panda, ce sont pas les plus, on va dire les meilleurs vaisseaux. Là, on a vu le Polaris, on a vu le Constellation, à partir de demain, ça sera un petit peu plus intéressant. Mais surtout, ça sera à le dernier jour de l'Invictus Launch Week, où c'est qu'il y aura Drake qui s'est invité
on va dire de manière inopinée, mais dans une autre partie. Et ça se passera pas dans le ici, dans ce hall. D'accord. Donc ce sera directement au Spaceport. Ok. Alors, pour finir le live duplex, j'ai cru comprendre, des retours que nous avons eus de différents reporters du CTS, j'ai cru comprendre que voilà, il y avait une sorte de d'événement au-dessus d'une station. Avec peut-être des F8, des feux d'artifice, est-ce que tu as des infos là-dessus? Oui, tout à fait. Alors, il y a effectivement justement une démonstration de la Navy au travers d'un déplacement d'une petite flotte entre Microtech, Arcorp et Hearthstone. Et donc, on peut apercevoir un Javelin qui est escorté de deux Idris et également de F7C et de F8. Donc, on va apercevoir l'escadrille 999 à l'œuvre. Ils sont absolument magnifiques. On peut les voir arriver sur, par exemple, By Genie Point. Je vous recommande d'aller là-bas. D'accord. Vous avez trois security docks et ils vont apponter sur ces docks-là. Et du coup, l'idéal, si vous avez un magnifique feu d'artifice, donc il faut pas trop s'approcher, sinon vous risquez de vous faire détruire, mais si vous prenez un petit peu de distance, vous pourrez vous apercevoir des distances de l'échelle de ces vaisseaux qui est absolument impressionnant. Le Javelin, la seule fois où c'est qu'on a pu voir le Javelin, c'est son épave sur Démarre, mais sinon, là c'est la première fois qu'on le voit vraiment tourner, et quand on voit la taille de ses armes, la taille de ses canons, on se sent vraiment muscule. D'accord, ok. Écoute, Monte Cristo, on voulait te remercier voilà, d'avoir patienté plusieurs minutes pour avoir ton retour de l'Invictus. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter sur l'event? Eh bien, non. Je voulais dire, à part, venez y profiter. Ça tourne assez régulièrement. Vous ne serez pas déçu du spectacle. Et si vous êtes intéressé, vous avez le bureau de la Navy qui est disponible à l'étage pour plus de renseignements. Ok, merci Monte Cristo. Le studio reprend l'antenne. Merci beaucoup reporter Monte Cristo qui était sur place de l'Invictus comme vous avez pu le voir. Merci Mylonite pour le follow. Voilà, on remercie aussi Super Panda d'avoir pris le temps de réagir et de patienter pendant la coupure pour le live. Le Javelin est un petit joueur par rapport au Bengal. Ok, d'accord, trash. Super Panda, voilà. Ouais, juste, il parlait du Polaris tout à l'heure. La caractéristique essentielle du Polaris, c'est ses torpilles. Hein, 28 missiles de 28 torpilles de taille 10, ça va être un D'accord. très bon torpilleur de vaisseau capital ou de vaisseau large. Donc c'est vraiment là où il va se distinguer. Après, le problème du Polaris, c'est que les boucliers vont être assez faibles comparé à des véhicules de même taille. Donc il risque d'être assez fragile comparé à sa taille. Ben heureusement, parce que sinon il serait invincible, donc ça, voilà. Ça va être le point faible, ça va être sur la robustesse. Après, sur la puissance de feu, 28 missiles de taille 10, 32 missiles de taille 3, 7 tourelles, dont une de taille 5, ça va être un gros DPS. Ouais. Mais problème sur la robustesse. Voilà. Ok, ça reste quand même un chip important à avoir, certainement pour une orga militaire, vraiment, qui peut te faire autant de PVP que de PVE, finalement, hein, si on comprend bien l'utilité du vaisseau. La régie, est-ce que tu veux qu'on continue l'interview et on fera le quiz à la fin, ou tu veux faire le quiz maintenant? Et les gars, est-ce que vous voulez faire le quiz maintenant dans le chat? Est-ce que vous êtes motivés? Est-ce que vous êtes chaud, les gars? Est-ce que vous êtes chaud? Par contre, grosse manœuvrabilité et puissance de feu, quiz. On a besoin d'un Polaris? Non, quiz. Non, quiz. Attention, quiz. Giveaway, non, pas au pixel, il n'y a pas de giveaway. Ok, bon, ils sont chauds pour le quiz. Pourquoi la mangoustine, tu veux pas faire le quiz maintenant? C'est quoi cette histoire? Giveaway, alors un ou une Polaris? Ah, ça, c'est un débat encore, Mitsuaki. Radin, le temps que monte vers le Javelin. Bon, les gars, on va lancer le quiz. Alors, vous le savez, je vais le répéter à Super Panda parce qu'il doit pas vraiment savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça, il y a un quiz, j'ai pas pris mes notes, j'ai pas révisé. On sent la sueur sur le front de Super Panda. Alors, l'interview a pas duré super longtemps, je trouve. La mangoustine, c'est parce qu'on est en live, mais on prendra le temps, ne t'inquiète pas, de revenir sur l'événement Invictus, certainement. Ah ouais, Cooper, il est chaud, il nous a tout détaillé, là.
Alors, Super Panda, je vais te poser, on va te poser plusieurs questions parce que moi j'ai toute une série de questions sur mes fiches et les viewers du CTS vont t'en poser aussi. Ce seront des questions avec deux choix, enfin un choix possible sur deux potentiels. Donc, c'est-à-dire, si je te dis voilà, Cutlass ou Freelancer, il faudra que tu répondes Cutlass. Voilà. Est-ce que tu as Non, bien, non, non. pardon, est-ce que tu as bien compris l'intérêt du quiz? Est-ce qu'on est Oui, bon ça pour va. toi? Ça devrait Alors, le faire. il faudra que tu répondes assez rapidement pour avoir vraiment ton vrai ressenti, ton émotion, ta vraie réponse. Tu vois, t'as pas le droit de J'ai réfléchir, peur. attention. J'ai peur. Aimes-tu l'OM? Si la réponse est non, tu sors. Et au bus, on est d'accord. Alors, Je suis pas le attention, la foot. régie. Ah, il est pas foot. Non. Voilà, on a la musique dans la petite oreillette. On est parti. Attention, les gars. Commencez à réfléchir. Question de Zélève qui nous dit Kraken ou 890 Jump? Ah, aucun des deux, j'aime pas Drake et j'aime pas Origine. Donc Ouh, ouh là là, il veut pas trancher les gars, et quand il tranche Non pas, mais qu'est-ce... enfin Kraken, allez, mais clairement bof quoi. Et voilà, très très mauvaise réponse, vous le savez, la régie c'est Origin, et c'est la régie qui donne les réponses. D'accord, ok, j'ai compris le truc. Voilà, si tu veux jouer stratégique, c'est toi maintenant qui vois. Hein. Max qui nous dit, whisky ou vodka? Ah, l'alcool, je suis pas fan. Donc allez, plutôt Ah. vodka, plutôt vodka pour avec un peu de saumon, tu vois, un petit shot de vodka avec du saumon. Ah là, attends, si je comprends bien, t'as eu une bonne réponse au début et ensuite t'as eu une mauvaise Bah, réponse. faudrait Ouais, savoir quoi. je suis d'accord, hein, la comptabilité, Il ça faut reste choisir ou compliqué. pas choisir du coup? On a le droit de pas choisir ou on n'a pas le droit de pas Là, choisir? faut choisir. Faut choisir, sinon tu Bah vas te faire virer, attention. voilà. Sardine au Nutella ou morue à la fraise? Non, mais pas les au pixel. Vous êtes viré. Vous Là, êtes on va viré. virer pas les au pixel parce que c'est pas bon. C'est quoi ce quiz? C'est quoi, Bagrosinante? Modèle missile normal ou modèle missile roleplay? J'ai pas tout suivi. Tana ou Buccaneer qui nous dit Mitsuaki? Tana. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Black Sheep, attention les Black Sheep, merci d'être présent. Double ou triple épaisseur? Diplomatie ou missile? Diplomatie ou missile? Ah, diplomatie. Ouh là là, Super Panda, tu as pas vu qu'il y avait Ouais, je beaucoup suis de pas missiles, attention. un... Ouais, mais je suis pas un guerrier. Il est pas fan, il est pas fan des missiles. Salut Keto, bienvenue. Arme laser ou balistique? Laser. Ok. Ryobus qui nous dit, pour débuter, un Aurora ou un Mustang? À terme, Mustang. Ah bah écoute, moi je... Actuellement, Aurora, mais à terme, Mustang, quand les bugs seront corrigés, Mustang. Parce que beaucoup plus puissant. Parce que bon, on va pas se justifier, mais. Ok. Bah écoute, moi je t'aurais donné une bonne Et réponse, mais plus je sais agile. pas. Mais bon. Non mais la régie, il a mal dormi, et je sais pas, voilà. Il s'est fait virer plusieurs fois, il donne des mauvaises réponses. Super Panda ou Panda Furax? Alors je sais pas si tu connais Panda Furax. C'est oui, mais ça me dit quelque chose, Pandafuras. Il est présent sur pas mal de chats SC, Ouais, non? ouais, ouais. En fait, Ouais, c'est et le. je l'ai croisé déjà, mais. D'accord. Bah c'est le fondateur de la Ghost Squad. Alors là, il D'accord. faut choisir Super Panda ou Panda Furax. Je vais pas me choisir moi-même, je vais prendre Pandafurax. Ah là 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 là! Mais attends, c'est ta soirée, bien sûr que tu te choisis Mais non, toi-même! je me choisis pas moi-même, c'est un peu prétentieux. Stan Batros qui nous dit chat ou chien? Chat. Ouais, mais c'est pas possible, la régie est fanboy de chien, donc forcément. Mais je connais pas la régie, moi! Cooper qui nous dit Erin Roberts ou Chris Roberts? Erin, je vais en choquer beaucoup, mais Erin, beaucoup plus Ok. organisée. D'accord. Alors, question un peu plus tendancieuse, là, attention, Sandy Gardiner ou Chris Roberts? Chris Roberts. Sandy, qu'est-ce que. Enfin. Non, Ah mais bah oui, Sandy! mais Non, mais c'est un pour le quiz, c'est jeu, le... moi je parle pour le jeu, parce Alors, que pour le jeu, maintenant on la voit plus ni rien, enfin bon c'est bref, je vrai, suis c'est désolé, elle vrai, a rien fait de c'est spécial, vrai. enfin. Mais nous, le côté féminin, tu joues pas Oui, non, stratégique, mais Super d'accord, mais Panda, moi je attention. joue. Je joue. Enfin, je parle du jeu, voilà. Le contenu du jeu. Y a pas de souci. Chris Roberts, ça, voilà, Chris Roberts, ça a apporté plus au jeu que. Il a peur de se faire engueuler par sa femme, Super Panda, sachez-le, elle le regarde sur le direct. 600i ou Karak? Carac. Ah. Eh Carac. ouais, mais c'est Origin, c'est Origin. Non mais je m'en fous, je vais pas mentir, je dis Carac. Non mais Origine, Origine c'est trop cher, c'est moche, enfin bon bref, voilà quoi, je suis désolé. Ouh là Le là truc là, tout attention. blanc là, tout blanc, tout clinique et tout, non mais sérieux, les vaisseaux comme ça, moi je préfère Misk, voilà, c'est dit. Voilà, il y a un gros drama entre la régie et Super Panda ce soir, sachez-le. Privateer ou freelancer? freelancer. Je vais me faire Ouais, les gars, voilà, taper. Super Panda, il joue pas Vous êtes le stratégique. maillon faible. Non, je te la Voilà, vous êtes vérifie. le maillon faible.
Voilà. Clavier ou joystick? Clavier. Désolé. J'ai un joystick, hein. Mais je joue clavier souris parce que j'ai la flemme de brancher l'audace. Vraiment, je suis un gros flemmard. Dans le même cas de paramétrer à chaque fois et tout ça. Voilà. Activité préférée, Star Citizen ou jeu vidéo? Star Citizen, mais c'est un jeu vidéo, ça, je comprends pas la question. Alors, Riobus, peut-être tu veux dire. Eh, hey, Riobus, ce soir, il va falloir que tu précises là. Parce que là, ça va pas. Je vois pas les erreurs. Star Citizen est un jeu vidéo, donc en fait. Vaisseau industriel ou vaisseau de luxe? Industriel. Ok. Ship blanc ou ship noir? Noir. La régie, c'est plus. Ouais, c'est plus d'abord, j'attendais le buzz. Je l'attendais, tu vois. Et quand tu auras des origines noires, hein, qu'est-ce qu'il va dire quand tu auras les skins noires, écoute, hein. La régie. Voilà. Alors, attends, on en était où? Release Star Citizen pour 2021 ou pour 2050? Star Citizen 2021, jamais de la vie. 2022, fin 2022 pour l'absence de wipe. Ok, pas mal. Grimax ou Levski? Je sais pas, c'est dur. Grimax parce qu'il y a la ceinture d'astéroïdes autour où tu peux miner. Ah, bonne réponse. Squadron 42 ou Star Citizen? Bah, Star Citizen, durée de vie plus longue. Bonne réponse. Attention, Super Panda, la question la plus importante de la soirée, là tu vas pouvoir gagner beaucoup de points si tu réponds favorablement à cette question. Jake ou la régie? Tu as quelques secondes pour réfléchir. Bah, Jake, parce que j'ai pas parlé beaucoup avec la régie. Merci. Voilà, alors tous les points que tu avais perdus jusqu'à présent, sache que le CTS te les redonne. Donc tu es en train d'accumuler un maximum de points en ce moment, ça fait plaisir. La régie, s'il te plaît, arrête de t'énerver sur l'invité du soir. Prisonnier ou évadé? Prisonnier, je m'évade pas. Je sors légalement. Ah là 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 là. Pas en chocolat ou chocolatine? Chocolatine. Ouh. Non mais attends. Bon, ok, il a choisi Jake, je peux plus rien dire, les gars. Taranite ou Agrisium? Ouais, mais Fala, allez, Agrisium. Ok. Alors attends, je lis un peu. Activité préférée: jouer à Star Citizen ou bosser pour jeuxvideo.com? Là, ça va être compliqué, attention. Activité préférée? Ouais. Bah, en fait, quand Star Citizen plante, c'est un peu galère, donc j'arrête. Ouais. Mais jeuxvideo.com, c'est mon taf. Donc, il y a des trucs dans le taf que tu surkiffes et il y a des trucs que t'aimes pas, comme dans tout taf. Ouais. Donc, c'est. Donc, je dirais, si j'avais le choix entre les deux, je prendrais jeuxvideo.com, évidemment, parce que c'est mon taf. Donc, Ok. Le seul qui a récolté le plus de mauvaises réponses, on a notre vainqueur. c'est vrai, Super Panda, il tient les mauvaises réponses là. Alors, attends, Star Marine ou Arena Commander? Arena Commander. Les gars, là, on. Non, mais j'aime pas les combats à pied. Je préfère d'accord. Les combats à pied. Les combats à pied. Donc, okay. Ouais, ok. Est-ce que je peux. Hearthstone ou Microtech? Microtech. Oh, on est d'accord. Quantum rapide ou Quantum économique? J'arrive à dire entre les deux. À terme, économique. Je prends des économiques à terme. D'accord, ok. Non, oh là là, là mais bon, je sais pas, la régie, moi je peux plus rien faire contre. Les gars, virez-moi la régie s'il vous plaît. À terme, parce qu'aujourd'hui, évidemment, rapide, parce que l'argent n'a aucune importance, mais à terme, quand il faudra farmer et tout, je ferai à l'économie quoi, pour avoir le max d'argent. Normal. Yamor, non, mais fin. Il le fait exprès, tu lui as donné toutes les mauvaises réponses. Mais non, même pas, je sais même pas, je sais même les questions, je les. Non, mais c'est à apprendre je au, réponds, deuxième, je suis au deuxième degré. Non, bon, c'est bien. Farmer ou profiteur? Profiteur? Pourquoi? Dans le sens où toi, tes gars, ils vont farmer pour toi. Et, ah, toi, non, tu non, vas non, arriver. Non, ah non, 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 farmer. Farmer, ok. Non, mais la régie, je qu'est-ce qu'il moi. Non. Ok, la régie est complètement folle. Hein. Alors, attention, CTS ou JV Corp? Attention. CTS ou JV Corp? C'est pas une corpo, CTS. Ah, mais c'est ouais, pas grave, il faut choisir. Là, on te met dans l'embarras là ce soir. Bon, allez, CTS, c'est ce soir. Ah, là, il y a tous les points. Merci. Ça fait allez, les points. Allez. Voilà. Alors, attends, j'ai encore quelques questions. Tevarin ou Shian? Shian. Ok. Ah, j'adore la culture Shian, le fait qu'ils soient des êtres très réfléchis, qu'ils aient une longue durée de vie et tout, j'aime bien. D'accord, ok.
Nomade ou sédentaire? Sédentaire. Ah là 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 là. Et ouais, mais la régie, lui, il traverse la France, lui. Voilà. Prowler ou Valkyrie? Oh, les deux sont nuls. j'aime pas. Enfin, vraiment, c'est des vaisseaux que j'aime pas, donc... Ok, ok. Allez, je dirais Valkyrie, c'est un peu meilleur rapport qualité-prix que Prowler. Prowler, c'est une catastrophe, le rapport qualité-prix. Okay. Mais je dirais Valkyrie à choisir, mais sinon... D'accord, d'accord. Sylvain de Drift, grand pilote, qui nous dit couplé ou découplé? Couplé. Ok, bonne réponse. Bah écoutez, on va certainement finir le quiz là-dessus. Attention, Terada ou Hugo Lisoire? Est-ce que tu connais un peu les streamers de... Ah oui, je connais Svodimir, Goth, qui te fait les trades et tout. Oui, je connais bien Terada, Hugo Lisoire. Bah, les deux ont leur spécificité, c'est dur de choisir. Ouais, hein. Terada, ouais. Les petites vidéos qu'il fait là, quand il fait des vols, des survols à basse altitude, c'est top quoi, avec les musiques et tout, c'est génial. Hugo, quand il fait justement des petits jeux de rôle, les soirées, ouais, c'est top et tout. Donc les deux sont tellement différents, je pourrais pas choisir là. Enfin, okay, c'est trop chaud. On fera pas le choix, les gars. Freelancer ou Merchantman? Ouais, mais il va dire Freelancer. Ouais, Freelancer. Ouais, ah, Freelancer, voilà. Toi, c'est mon vaisseau préféré. Donc, La régie qui met un. Ok, finalement, il donne une bonne réponse. Ok, d'accord. Salut à Lovegas, Hugo le best. Bah écoutez, les gars, on finit le quiz. Voilà. Bah écoute. Eh, mitigé parce que tu as eu beaucoup de mauvaises réponses, tu t'es un peu rattrapé vers la fin. on est pas mal. Je savais pas qu'il y avait des mauvaises réponses à deux choix comme ça. Super Panda s'y connaît, on reconnaît en vrai le vrai joueur de Star Citizen. Ok, il te félicite quand même dans le chat. Tu leur as donné bonne impression, contrairement à la régie, j'ai l'impression. La régie, elle m'aime pas, la régie. La régie, elle t'aime pas, là. Tu t'es fait boycott par la régie, là. Alors, pour revenir aux questions qui étaient avant le live de l'Invictus en duplex avec Monte Cristo, la régie fait le con, je suis d'accord, Trash, là, mauvaise image du CTS, là. les gars, ne l'enflammez pas, s'il vous plaît, dans le chat, putain. Déjà, il aime Origin, mais c'est un bon point, ça, normalement. Est-ce que tu as des relations avec d'autres orgas? Non, pas vraiment. Non? J'ai pas de relations officielles avec d'autres orgas, et le truc, c'est que... Même si j'avais des gens d'autres orgas qui me contactaient pour me dire ah, on va faire un pacte de non-agression et ainsi de suite, je dirais ben pour l'instant on peut pas parce qu'il y a pas les mécaniques en fait qui permettent de faire ce genre de choses in game. Donc en fait, d'accord, ça ne sert à rien. Enfin, pour l'instant, ça sert à rien. Après, si des orgas veulent faire des events inter-orgas et tout, il n'y a pas de souci, quoi. Ça, c'est déjà arrivé d'ailleurs qu'une orga vienne sur notre Discord et dise ah, on a besoin d'aide pour un event, on n'est pas assez nombreux, vous pouvez venir, et on vient et puis voilà, on participe à leur event et puis voilà. En toute simplicité, quoi. Il y a pas, c'est pas, voilà, très très simple en fait. Ok. Parce que j'ai vu tout à l'heure, voilà, il y avait un peu 2-3 N7 qui disaient, nous, on veut faire un event. Alors ils font beaucoup, ils sont très actifs à N7. Ouais. Donc écoute, bien sûr. Ils peuvent te contacter s'ils veulent faire un event un samedi soir. Bah oui, y a pas de problème. Au contraire, c'est très bien. Alors c'est Jammer, qu'on aime bien ici, qui est limite la mascotte du CTS, l'un des viewers Day One. Je pense qu'on va vous contacter pour faire un event. Eh ben c'est beau ça. Ouais, elle est mortelle cette scène, GG la régie. Ah bah oui, la régie, attention, il y a du renouveau ici. Il n'y a pas tout qui marche ce soir, mais la scène de la régie, bizarrement, elle fonctionne les gars. Hein. Lui, il s'est mis bien sur le plateau. Voilà. La régie, on voit ton historique sur l'écran, au fond à gauche. Stipabo, oui, attention, ça y est, Slade, je vais avoir la grosse tête, N7, la régie, là je te vois avec tes cheveux longs là, est-ce que tu peux lancer un petit aou pour la N7 là, depuis la régie? Merci, bon Super Panda, en fait le cri aou, c'est la N7 qui se l'est approprié, c'est un peu leur cri de guerre si tu veux, voilà, voilà pourquoi on leur envoie le son. Alors, si je tiens mes fiches à l'envers, ça va pas le faire. Alors voilà. Je voulais savoir un peu quel type de métier on peut faire dans la JV Corp. Bah j'ai envie de dire tous sauf pirate. D'accord, c'est très simple. Voilà, à terme ce sera tous sauf pirate. Parce que encore une fois, on veut garder. On attend de voir effectivement comment va évoluer le système de réputation. Mais vraiment, on veut garder des réputations positives vis-à-vis de l'UE. Et c'est important que les joueurs ne fassent pas d'activités pirates, quoi. C'est pas de mission pour des trucs hors la loi ou de contrebande, des choses comme ça, quoi.
D'accord, voilà, ok. C'est vraiment le truc le essentiel après les missions. Enfin, tout type de mission, tout type de métier, du minage, de la chasse à la prime, du ravitaillement, tout quoi. Enfin, l'exploration. D'accord. Mais est-ce que dans ton orga, parce que tu dis il y aura tous les différents types de métiers, est-ce qu'il y aura peut-être un chef d'escouade, un chef d'activité, un pôle qui représente les métiers ? Tout à fait. Alors en fait, comment on est organisé ? Il y a 4 pôles. Il y a une section logistique et industrie. Donc comme son nom l'indique, c'est pour fournir la corpo en matières premières, en opération de minage et compagnie. Donc c'est eux qui gèrent tout ce qui est logistique et industrie. Une section renseignement exploration. Donc tout ce qui est repérage de points d'intérêt, renseignement quoi. Une section de défense pour défendre toutes les autres, on va dire, logistique et renseignement exploration. Et une section administration qui gère tout ce qui est qui gérera du coup à terme tout ce qui est recrutement, accueil des nouveaux, formation et genre de trucs. Voilà. D'accord, ok. Alors, question Frappoam qui nous dit la contrebande non plus ? C'est une activité illégale. Ah ouais, mais attends, oui, pas vu pas pris, mais c'est trop risqué. En fait, tu vois, enfin, clairement, c'est pour ça en fait que je pense que c'est important et c'était important de choisir très tôt l'orientation pour que les joueurs qui vraiment se sentent pirates dans l'âme ou contrebande dans l'âme ne choisissent pas cette corpo-là et choisissent une autre corpo qui sont beaucoup plus adaptées à ce genre d'activité, quoi. Mais clairement, je pense pas que vous soyez bien dans cette corpo si vous choisissez cette orientation là quoi. Ok. La régie, je veux bien que tu passes la page RSI de l'Orga et que tu nous mettes en grand écran la vidéo de présentation de la JV Corp pour que j'en profite pour aller aux toilettes dans les studios du CTS, s'il te plaît, parce que là ça devient un peu urgent, comme tous les samedis soirs les gars, vous savez. En bas, elle est en bas. Pas, la régie, je sais pas si je t'entends. Ah, vas-y. Bordel, il faut qu'il arrête. Ça arrive à tout le monde de livrer par erreur des pots. Ouais, j'ai pas tout suivi là. La bicyclette de hamster de Jake a encore frappé. Mais Fela, je suis d'accord avec toi. Pisse dans la tasse. Non, on va rester correct, les gars. Donc, si tu peux nous passer la vidéo de présentation qui dure peut-être 1 minute 30. Et en plus, ça va nous remémorer des images de tout du début de Star Citizen. Hein, parce que je crois que dans ta vidéo de présentation, Super Panda. Ouais, descend en bas. Ouais, c'est vidéo que j'ai pas dire ici. Non, du Spectrum, là. Vas-y, descend. Voilà. Et on va pouvoir. JV Corp dans l'opération Pitchfork. Alors, je veux bien que tu la passes. Arrête la ST, mec, et que j'aille pour arrêter de picoler chez toi. Ouais, je vais aller aux toilettes. Alors, la régie, je veux bien que tu passes le plan vidéo, s'il te plaît, full screen. Jake 88, tu vois. Non, j'ai pas ça, Morph, j'ai pas ça. Va falloir qu'on lui fasse un implant de vessie dans Star Citizen. Ah ouais, mais grave. Alors, attends, la régie est en train de se battre avec les plans. Ok, vas-y, je te laisse. Je reviens dans 1 minute 30, les gars. A de suite.
est-ce qu'on m'entend bien? Merci, merci pour cette courte pause. Alors, est-ce que c'est toi qui as fait cette vidéo? Ouais, tout à fait, avec mes maigres connaissances en montage. Hein. D'accord, ok. Et donc t'as pris les vidéos. C'est que de la vidéo officielle. C'est que de la vidéo officielle que j'ai pris à l'époque. Hein. C'était en 2017 que j'ai fait cette vidéo ou 2018. Donc j'ai pris voilà, j'ai été chercher dans pas mal de vidéos. J'ai essayé de mixer deux musiques officielles de Star Citizen. Il y a un changement où il y a deux musiques collées, donc il a fallu coller les musiques pour que à peu près on voit pas que ce soit deux musiques différentes qui soient collées. Enfin bon voilà, c'était. D'accord, ok. Bah, ça m'a permis d'apprendre à monter aussi, tu vois. Bien sûr. Ouais, je voulais savoir si dans ton... Alors, peut-être pas la question... Enfin, comment dirais-je? Je suis en train de me perdre. Je vais aller à la question directement. Est-ce qu'il y a une écurie de course dans ton orga? C'est-à-dire autant terrestre alors, que de vol? On a un gars qui s'appelle Chéri Coco, qui est ultra fort à la course. Mais vraiment, il est, c'est un tueur. À chaque fois qu'on fait des courses avec lui, il nous déchire. Et lui, il veut faire des courses. Et il veut aussi avoir... Alors, son rêve, ce serait d'avoir un vaisseau de transport d'autres vaisseaux, un petit peu comme le Kraken, mais sans les armes, en fait. Juste pour avoir un Kraken moins cher, en fait, sans armement. Mais qui puisse transporter plein de vaisseaux de course en fait sur son vaisseau, un vaisseau de transport mais sans armement comme le Kraken. Donc il a aussi le Hercule C2 évidemment pour transporter les vaisseaux terrestres, mais il aimerait voilà un Kraken sans armes moins cher. Voilà, c'est ce qu'il d'accord. C'est ce qu'il fait. OK. Écoute, pourquoi pas, je sais pas si tu es au courant, mais nous avec la N7, on organise et on rediffuse un event. Alors là c'est une course terrestre avec des cyclones qui s'appelle véhicule terrestre qui s'appelle Road Racer. Les gars, je m'égare un peu parce que la régie me parle dans l'oreillette. Voilà, Road Racer. Et en fait, si tu veux, on fait un stream un peu à la Beansport, à la Canal Plus, un peu en mode Formula One, tu vois. On a les différents points de vue des pilotes et des copilotes. Et puis, écoute, on pensera à toi, hein, si on invitera, si tu as des pilotes, si toi-même tu veux y participer. Et voilà, un très bon rallye et une organisation au top. Voilà, je vous invite les gars à aller sur la chaîne YouTube Jake88 et taper Road Racer, voilà, pour avoir une idée un peu comment on avait rediffusé l'event. Voilà. Mais ça sera l'ancien parce que le deuxième, le M2 du CTS, les gars, il a pris feu. Voilà, sachez-le, il ne marche plus. Sledgehammer a pris un abonnement de niveau 2, c'est son 10e mois d'abonnement parce que vous le valez bien. Sledge, je sais pas comment tu fais, mais tu prends des abonnements une fois par semaine. Je sais pas comment ça marche, mais tu dois faire bugger Twitch pour prendre autant d'abos. Mais merci beaucoup, Stage, ça fait extrêmement plaisir. Comment sont accueillies les nouvelles recrues dans ton Discord? Est-ce que il y a un entraînement? Est-ce qu'il y a des tutos? Comment ça se passe? Bah là, on en a accueilli pas mal aujourd'hui, parce qu'avec le free fly, voilà. Ouais, et ouais. Du coup, ce que j'ai fait, c'est j'ai vu qu'il y avait des nouveaux sur le Discord, donc je suis allé les accueillir et leur montrer comment on pilote, donc les contrôles, tout pour leur apprendre à jouer, parce que dans le jeu, il n'y a pas de tuto, hein, donc il faut quand même qu'ils jouent avec des gens qui connaissent un peu, parce que sinon, les gens généralement sont un petit peu perdus. Et d'ailleurs, j'adore montrer aux nouveaux en fait le jeu, parce qu'il y a un côté frais. Quand quelqu'un découvre le jeu, il y a un petit côté waouh. Alors cet après-midi, par exemple, t'as un des nouveaux qui dit waouh, c'est quoi ce vaisseau? Il est énorme. C'était un freelancer. Hein. Okay. Il est énorme. Et puis après, donc il va à l'expo, il voit le constellation. Oh là là, c'est. Et là, je dis, mais il est énorme ce vaisseau. C'est quoi que t'es? T'es devant le constellation. Non, il est pas énorme. Attends, je vais t'en montrer un autre. Et là, je vais montrer le carac. Et là, il était. Ah oui, d'accord, ok. C'est... Ouais. Et donc, j'aime bien tuer ce côté un peu frais, un peu. Voilà, c'est ça qui me. Tu peux toi aussi redécouvrir le jeu. C'est ça, en totalement. Le montrant à des ouais, nouveaux. Ouais, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Merci beaucoup, Max, qui a pris son abonnement de niveau 2, qui ne se laisse pas faire par la N7. Ça fait extrêmement plaisir. Ok, il y a Frappwam qui nous met des vidéos tuto. Parfait. La découverte via les nouveaux, c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'avec la régie, on faisait souvent ça au début là. Ouais, tu sais, ça te remémore aussi les bons moments, tu vois. Oui. C'est un peu voilà, la Madeleine de Proust, les gars. Ça te fait revivre tes premières émotions in-game. Joko, je suis d'accord avec toi. Y a plein les premières erreurs 30 000, tout ça, tu vois. C'est... Ouais, voilà, c'est ça. C'est émouvant, c'est émouvant. Toujours... Ouais, ouais. Salut Hamzia. Hamzia, t'étais pas follow au CTS. Donc, il faut savoir que Hamzia, c'était l'un des tout premiers viewers du Alors... CTS.
Ouais. Juste un truc, Sylvain qui dit il y a plein de tutos, c'est juste sur, c'est sur YouTube, tout à fait. Ouais. Le problème, ouais, c'est que quand un nouveau arrive, il va in-game, et généralement dans les jeux, t'es habitué à avoir un tuto dans le jeu, et pas devoir aller sur YouTube pour aller voir les tutos. Enfin, tu vois, c'est, ouais, c'est un truc qui est quand même assez particulier. Pour l'instant, il n'y a pas de tuto, après j'espère bien qu'à terme, sur la version entre guillemets plus finalisée de Star Citizen, il y aura un tuto in-game. C'est le truc de base pour tout jeu vidéo qui a un tuto. Alors, tu as vu que maintenant, enfin maintenant, non, ça fait plusieurs mois quand même en vérité, quand tu relances Star Citizen qui a une mise à jour, tu vois, hein, oui, learn to play, ouais, tout à fait, ouais. Mais c'est pas, enfin, c'est, il faut, tu vois, il faut aller voir des vidéos sur le net, c'est pas in-game intégré, c'est pas comme sur la majorité des jeux où c'est vraiment intégré dans le jeu, où t'as vraiment, quand tu commences à jouer, bah, alors là, vous vous levez avec ta touche Y, blablabla, y a pas ça, donc ça, ouais, c'est, ça, c'est dommage. Est-ce que, je crois que ça va être un peu le cas, merci Amdia, merci beaucoup pour le... pour l'abonnement Twitch Prime, son quatrième mois d'abonnement. Voilà, t'étais sub depuis 4 mois, mais pas follow. Faudra m'expliquer à bien à un moment donné. Mais c'est vrai que dans Squadron 42, je crois qu'il est censé avoir un tuto en fait. En fait, le tuto finalement, c'est Squadron. Oui. Non, mais c'est normal qu'il y ait un tuto. Enfin, le tuto, ouais, c'est la base dans tous les jeux, quoi. Ouais, mais même dans les jeux multi, d'en haut, il y a un tuto. Là, ils le refont d'ailleurs pour la donne Shadowlands qui sort à la fin de l'année. Sur 10 niveaux, ils t'apprennent à jouer sur 10 niveaux avec vraiment toutes les phases de jeu et tout. Et c'est la base, un tuto dans un jeu. Et un tuto intégré. Tu ne sois pas obligé d'aller sur YouTube pour aller voir des tutos. Ouais, je suis d'accord. Pareil, voilà. Je suis d'accord. Parce que là, faire Y pour se lever, excusez-moi, mais c'est pas naturel du tout. Enfin, il y a plein de touches en fait, c'est pas naturel quoi. Accepter quelqu'un dans le groupe, c'est accent circonflexe, ça touche à côté de la lettre P. Enfin, tu vois, il y a des trucs, c'est. Enfin, faut le savoir quoi. C'est pas. Naturellement, c'est pas un truc qui te vient en tête comme ça quoi. On est d'accord, c'est un peu une usine à gaz. Et avant, t'avais deux modes hein, sur le clavier. Hein. T'avais le mode normal et t'avais le mode un peu plus poussé. Je sais pas si c'est toujours d'actualité ça, parce que moi je touche plus au clavier. J'ai jamais utilisé. Non, j'ai jamais. Alors moi, je laisse les réglages par défaut. Clairement. D'accord. Voilà. Et au moins, avec les réglages par défaut, au moins quand un nouveau arrive, je peux lui montrer. Parce que si jamais j'avais bindé mes touches, alors là. À quelle touche correspond quoi On est d'accord. Elon Starbuck, merci d'être présent sur le live. Je lis un peu. En plus, ça a changé quelques fois. Ouais, Stan, c'est vrai que ça s'est remis, ça s'est remis à jour. Bon, bref, c'est quelque chose, quoi. Je voulais savoir ton temps de jeu, toi, personnellement. Quand est-ce que tu joues à Star Citizen? Alors, dire déjà, je joue quasiment tous les samedis soirs, parce qu'on a à 21h, on a notre petit event, donc on forme les nouveaux, on fait des petites OP minage en ball, on fait des petits combats en hammerhead, on prend le hammerhead, on fait des missions, donc déjà quasiment tous les samedis soirs. Et après en semaine, quand je vois des nouveaux ou des gens qui ont besoin d'aide, je me connecte au Discord et je vais les aider. Et ben là cet après-midi par exemple, il y avait des nouveaux, donc je suis allé voir un petit peu s'ils avaient besoin d'aide et un peu les former quoi. Donc d'accord. Voilà, je joue chaque semaine quasiment. Après il y a des fois où je fais des pauses, hein, comme tout le monde évidemment, mais je joue pas pour farmer en revanche. Je farm quasiment pas parce que voilà, j'estime que vu qu'il y aura toujours des wipes, farmer voilà, pour perdre ta progression, clairement c'est très peu pour moi. Donc je joue vraiment que pour voilà, pour prendre du plaisir le samedi soir, pour faire des petits trucs et pour former les nouveaux. Sinon en dehors de ça, je farm pas pour moi en fait. Ok, d'accord. Est-ce que ton orga, par rapport voilà à son background, un peu à son histoire, etc. Est-ce que vous avez une ambition in game? Vous avez vraiment un rêve peut-être? Non, mais nous, je pense, tu vois, quand le jeu sera, quand tu auras les 100 systèmes. Ouais. Enfin, alors là, c'est dans, dans longtemps. Là, c'est de la spéculation. Là, c'est de moi, la spéculation. Mon rêve, clairement, quand tu auras les 100 systèmes, que le jeu passera en phase, il n'y aura plus de wipe et tout. Moi, mon rêve, c'est que, ben, on se dise, alors, où est-ce qu'on va s'installer? Tu vois, où est-ce qu'on va faire toutes nos missions? Donc mon rêve, c'est de prendre les caracs et d'envoyer, donc d'aller visiter quelques systèmes qu'on aura sélectionnés auparavant. De les visiter, de voir, ah ben oui, ben là, il y a une ceinture d'astéroïdes, ce serait intéressant pour miner. Dans ce système, ah ben il est plus sécurisé, donc peut-être que ceux qui veulent être tranquilles, ce serait mieux d'aller là. Et de faire le pour et le contre, tu vois, de d'accord. Chaque système pour choisir. Et du coup, après, on votera, évidemment, comme tout corpo pro-démocratique, on votera pour, ben moi je préfère ce système, moi je préfère celui-là, et on vote, et on s'installera dans le système où les gens auront le plus de votes. Et ce sera peut-être pas celui que j'aurais choisi moi, mais c'est pas grave, si c'est la majorité qui, tu vois, qui va. Et puis on s'installera, on fera une petite mission dans le système, nos petits trucs autour. Il n'y a pas forcément, tu vois, d'ambition, genre, on veut forcément contrôler ce jump point pour éviter que les gens arrivent et tout. Non, on s'en fout de ça. Ben, nous, voilà, on fait nos petites missions. Un soir, une petite mission minage, un autre soir, des petits OP transport avec les Hulls. Enfin, tu vois, voilà, tout simplement, pas de... Ok, ok. Alors je vois Riobus qui nous dit oh, mais ok, mais c'est quand ça? C'est prévu quand? Oula.
Oula, oula, c'est pas son arme. Oula, oula là. Attention, Riobus. Riobus, tu poses des mauvaises questions. Là. Attention. Est-ce que le jeu sera finalisé ou qu'à voilà, voie d'être ça. Finalisé dans très longtemps. On attend déjà la fin du développement du système Stanton. Et peut-être fin 2020, je sais pas. Weblay qui soutient le CTS, merci beaucoup Weblay pour ton plus beau Twitch Prime. Merci clairement, beaucoup. On est tous joueurs de Star Citizen ici, on est tous patients du coup. Un joueur de Star Citizen est patient. Ah ben ouais. Il doit être patient, c'est logique. Bon, je vous montre pas mes avant-bras parce que je me suis scarifié à force de patienter, les gars. Mais tout va bien, je vais beaucoup mieux, je remonte la pente, les gars. Salut Riddick, merci d'être présent. Il n'y a aucun rôle spécifique sur ton RSI si tu es le boss. Mais est-ce que tu gères aussi la hiérarchie, sauf s'il n'y en a pas? Alors Riddick, tu arrives un peu en retard. Mais ça, il n'y a pas... Mais oui, vas-y. C'est très horizontal, il n'y a pas forcément de hiérarchie. Alors, il y a des gens auxquels on a mis le rôle officier et tout, mais... Vu que tout le monde a le même poids dans les votes, la hiérarchie, on s'en branle, quoi, tu vois. Et même moi, j'ai le même poids que les autres, donc okay. J'aurai le même poids. Donc, après, c'est vrai que Ninouf, c'est pas mal, hein. J'ai rajouté sur mon CV, j'attends Star Citizen. Voilà, si vous avez un entretien d'embauche, les gars, est-ce que, voilà, pour faire la différence, qu'est-ce que vous avez à nous dire? J'attends Star Citizen. Et là, vous aurez le job. Bonne question de Riobus. Mais je me dis, vu qu'il travaille à jeuxvideo.com, il aurait plus d'infos que nous. Il est quand même journaliste, non? Est-ce que tu as des fuites? Alors, est-ce que tu as des infos? Même si tu peux pas nous le dire. Est-ce que tu es mieux informé? Non, sur Star Citizen, non, absolument pas. Je suis désolé. Alors, j'ai un compte presse sur mon compte, parce que CIG a débloqué compte presse, donc j'ai des vaisseaux que je n'ai pas achetés sur mon compte. D'accord. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai pas d'infos particulières sur Star Citizen. Après, chez jeuxvideo.com, évidemment, sur certains titres et sur certains events, on a des infos avant, mais sur Star Citizen, en l'occurrence, on a strictement rien. Donc, ouais. D'accord, ok. C'est pas que je veux pas vous le dire, c'est qu'il y a rien. Enfin, c'est que... Il y a un effet là qui nous dit, est-ce que tu étais à la CitizenCon, la dernière qui s'est non. passée En fait, alors je regarde, tu vois, je regarde les streams CitizenCon, notamment ouais. le grand stream de Chris, de notre maître à tous, Chris Roberts. Ah oui, bah oui. Bah oui. Donc je regarde les streams, mais je vais pas aux events parce que ça m'intéresse pas d'aller aux events, en fait. J'ai fait pas mal de salons pour le taf, donc je sais comment ça se passe, ce genre d'event, et clairement... voilà, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu qui va être rajouté dans le jeu plus que d'aller voir Chris Roberts sur place, quoi. Tu vois. D'accord. Ok. Je sais pas si tu connais le culte. L'orga. C'est pas une orga. En fait, le culte, on les a reçus il y a quelques semaines. Et c'est une sorte de religion. C'est un fanatisme autour de Chris Roberts. D'accord. Et, non, mais je plaisantais c'est... quand je disais notre méta tout ça. C'était une ah ouais, mais hein. attends. Ah, mais... Eh, les mecs, il y a une vraie. Il y a des conditions d'entrée. Il faut porter la toge. voilà, il y a quelque chose, tu vois. Ah oui, d'accord. Bon pour le culte, notre maître à tous, Chris. Est-ce que les membres de JV Corp viennent du forum jeuxvideo.com? Beaucoup oui, mais pas tous. Il y en a qui viennent pas du forum, mais on accepte tout le monde encore une fois. Donc, d'accord. Et est-ce qu'on peut être dans une orga, je vais dire, je sais pas, les Scorpions du désert, voilà, qui est l'orga de Monte Cristo, notre porteur. Est-ce que tu peux être dans les Scorpions du désert et à la fois multi-orga, dans ton orga, bien sûr. Ouais, multi-orga. Oui. Il y en a qui sont même pas membres qui jouent. Enfin, tu vois, c'est vraiment très ouvert. On l'a répété plusieurs fois ce soir, mais c'est pas du tout cloisonné, hein. Pas du tout. D'accord. Ok. Pas non plus de bar Citizen, d'IRL. Si, j'ai fait les bars Citizen depuis, enfin pas tous, mais ceux qui avaient à la Paris-Verse notamment, les derniers, ceux qui il y a trois, à partir d'il y a en 2018 je crois, 2017, 2018, 2019 je crois, quelque chose comme ça, puisque okay. Non 2019 il n'y en a pas eu, mais 2016, non, 2017, ouais, 2018, ouais. Bon bref, mais oui j'ai fait les bars Citizen qu'il y a eu à cette occasion et je suis allé à la Paris-Verse aussi. Ok, voilà Cooper, on t'a vu à la Paris-Verse, ok, ouais. Ben voilà. Je l'ai pas vu à Liège, est-ce que tu étais à Liège? Non, je me déplace pas à Liège, désolé. Non, c'est là, à Paris-Verse, c'est pratique parce que c'est à Paris, tu vois, mais sinon, non, je me déplace forcément, pas. Forcément. Merci Manaël pour le follow. Alors, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que je t'ai posé toutes les questions? Est-ce qu'on aurait oublié des questions? Oublier un sujet, un thème à aborder. Ah bah tu me poses la question. Ouais, oui, pardon. Oui, à toi. Au niveau de ton orga, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que tu aurais voulu mettre quelque chose en avant qu'on aurait pu oublier? Non, enfin je pense pas, je sais pas. Non, parce qu'en fait on arrive un peu voilà à la fin du questionnaire. Ah de non, de l'interview. C'était très bien. Non, c'était très bien. Ton interview était parfaite.
Non, mais alors je te demande pas ça pour avoir des compliments, je te demande vraiment voilà si on a bien mis en valeur, si on n'aurait pas oublié. Ah, mais il y a pas besoin de mettre en valeur, tu poses des questions. D'accord. Voilà, et moi je réponds tout simplement. C'est pas forcément pour mettre en valeur, c'est pour répondre aux questions, c'est tout. Ah, mais alors, oui, attends. Il y a une dernière question. Il y a deux autres questions. Nefela qui nous dit, est-ce qu'il va venir en coulisses? Alors je vais t'expliquer un peu, nous à la fin de nos lives, nos invités ont toujours un peu voilà, l'habitude de rester sur Discord dans le channel coulisses pour échanger avec les viewers. Alors si tu as un peu de temps, avec plaisir. Pas de voilà. Soucis, ah oui carrément. Avec plaisir. Avec plaisir. Et Max qui nous dit, Max qui est chroniqueur du CTS, est-ce qu'il veut être chroniqueur? Est-ce que ça t'intéresserait, voilà, selon ton emploi du temps, etc., etc. On veut pas te forcer, c'est pas une question piège, tu fais comme tu veux. Est-ce que ça t'intéresserait d'être de temps en temps chroniqueur sur le plateau du CTS Pour débattre, participer de temps en temps. Après, toutes les semaines, je vous avouerai que j'aurai pas le temps. Mais, pour participer de temps en temps, moi, pour parler sur Season, comme je te l'ai dit, moi ça m'intéresse toujours, donc y a pas de soucis. Hein. Eh bien écoute, avec plaisir, on te fera l'invitation de temps en temps, voilà, si on pense que le sujet abordé peut te correspondre, etc. C'est avec grand plaisir. Ma grande spécialité, c'est comparer les vaisseaux entre eux, tu vois. Ouais, à mon avis, mais t'es pas bon, parce que tu prends pas les bonnes décisions. Bah si, je suis bon, voilà. Freelanceur dur, voilà, c'est parfait. Cutlass Red, Cutlass Blue, Cutlass Black. Bon, on veut pas s'énerver, on a passé un bon moment avec Super Panda, on va pas faire drama à la fin. GG pour le format, type journal, plus le journaliste sur place, c'est original et immersif, merci beaucoup. Où est Monté? Monté, il est là, voilà. Alors, écoute, Super Panda, on va. Je tenais quand même la régie et tout le CTS et tous les viewers. Tenez à te remercier d'avoir accepté l'invitation et puis d'avoir permis voilà, aux viewers d'avoir plus d'infos, bah, autant sur toi, autant sur jeuxvideo.com, et bien forcément principalement sur JV Corp. Donc un grand grand merci de notre part, franchement c'était top. Merci beaucoup, merci. Merci pour l'invitation, c'était très bien. Eh ben de rien, Super Panda, on te dit au revoir, on te quitte juste quelques secondes sur le live, on se retrouve en coulisses, alors dans bouge pas pour l'instant, on finit le live et on se retrouve. Merci beaucoup Super Panda, ciao. Alors voilà les gars, j'espère que le live de ce soir vous a plu. On a pu découvrir la JV Corp. Il est presque aussi BG que moi, stream sympa, non tu es plus beau, super stream, GG à vous, merci Panda, bonne fin de soirée, à Push et Bilout. Alors, sachez, alors vendredi prochain, on va certainement réfléchir à faire des chroniques les gars. J'ai un petit sujet, je sais pas, voilà, selon les chroniqueurs qu'on a, on va essayer de le faire. On n'a pas d'orga sous la main, alors si vous avez une orga pour samedi soir, n'hésitez pas à nous la proposer. Par contre j'ai oublié quelque chose, je crois qu'on a un nouvel intervenant dans les futurs CTS. Je voulais vous le présenter parce qu'on l'a recruté tout fraîchement cet après-midi, on a passé l'entretien avec lui. Donc je vous laisse le découvrir de suite. Razmoquette, est-ce que tu es présent? Ouais, salut les gars, je croyais qu'on m'avait oublié moi. Jake, tu me présentes comme ça qu'à la fin? Bon, moi je me présente, c'est Razmoquette. Razmoquette avec deux Z. Hein. Et le premier qui met qu'un seul Z, je le banne moi. Donc moi je suis nouveau dans l'équipe du CTS. J'espère que vous me traiterez bien, parce que moi je suis un grand streamer, moi je fais du Razmoquette sur tous mes lives. Donc le CTS m'a recruté pour avoir du multi-stream, pour avoir une qualité visuelle élevée en fait. Et donc j'espère que ça vous plaira, vous verrez, c'est de la grande qualité audiovisuelle les gars, du Razmoquette, du fun, du ban, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Elga, et attends, Razmoquette, tu viens, tu veux ban, je sais pas ce que tu racontes, et en plus tu t'en vas comme ça, les gars, des missiles s'il vous plaît, des missiles pour Razmoquette, il va falloir qu'ils se détendent, nous on l'a recruté, voilà, pour améliorer la qualité audiovisuelle comme il le dit si bien, des missiles pour Razmoquette s'il vous plaît, voilà, on va essayer de le détendre, merci beaucoup, c'est une hallucination collective, merci beaucoup les gars, bon, hâte de vous retrouver pour les prochains streams. Merci d'avoir été présent. Merci pour les subs. Merci pour les follow. Merci pour les dons. Merci pour tout. Merci pour votre soutien. Merci pour votre présence. Encore merci à Super Panda, à Monte Cristo, les gars. Monte Cristo. Point d'exclamation reporter.
Point d'exclamation reporter, vous avez sa chaîne Twitch. Merci aux Scorpions du désert, les gars, de nous faire partager le grand Monte Cristo, un reporter d'exception. Merci Jake, merci à vous les gars, merci la régie qui a fait un travail exceptionnel. La régie, on peut te voir là, juste pour dire, pour te dire au revoir là. CTS est tellement plus qualitatif que le reste. Merci beaucoup. Voilà, dans quelques secondes, nous allons voir la régie. GG les gars, merci beaucoup. Un petit focus sur la régie, après on se laisse, les gars. Alors, point d'exclamation Discord, voilà, on voit la régie, on voit encore Super Panda, regarde. Point d'exclamation Discord, point d'exclamation Discord, point d'exclamation YouTube, Twitter, les gars, suivez-nous de partout. Et puis les gars, on se rejoint en coulisses. Allez, merci beaucoup, merci à tout le monde, à la semaine prochaine, merci la régie, ciao, bye bye, c'était le CTS.